Rebonsoir. Ça va, Brézou? Tout roule de ton côté? Hop, je prépare mes verres. Parce qu'il va m'en falloir de l'eau. Ça va. Ça va. Bon, t'es prête pour la suite de Sam Bébé? Je pense que les gens vont arriver tranquillement. Le temps que... Hop là. Prête de ouf. Tu sais que ça ne s'écrit pas comme ça, prête. Tu sais que c'est un chapeau chinois dessus. Et pas un accent sweet comme ça, là. Oui, je sais pas le nom des accents. Je crois que c'est un accent grave que t'as mis. Et c'est un accent circonflexe qu'il faut mettre. Un chapeau chinois, quoi. Prête, voilà, c'est beaucoup mieux. Bah ça va tranquillement. J'espère que ça va pas bugger aujourd'hui. Normalement, non, mais ça va aller. Hein, ça va aller. De toute façon, là, ça va être tranquille au début. Parce qu'on doit faire grandir tout le monde. Et puis après, bah, on va... Après, on va... T'as dormi une heure cette nuit ou t'as dormi une heure là, t'as fait ta sieste? Parce que si t'as dormi une heure cette nuit, c'est pas ouf, hein. Coucou Missou, comment ça va? Y'a Bibou, il a pas fait exprès, mais il m'a griffé là. Alors on voit rien. Mais ça fait mal, voilà. Non, là, ah oui, donc tu dois avoir la gueule dans le pâté. La gueule dans le pâté. Y a un petit décalage entre ce que je dis et... Mon micro est fort. Ah, merci de me le dire. Donc, ça veut dire qu'il s'est déréglé. J'ai pas vérifié. Évidemment. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le seul jour où je ne vérifie pas, il se dérègle. À chaque fois que je vérifie, il est pas déréglé. Merci de m'avoir prévenu, Missou. Putain de micro. C'est honteux. La qualité du stream est nulle. Remboursée. Ah oui, si je publie pas sur Twitter, personne va venir. Voilà. Bah, c'est beaucoup mieux, bah tu m'étonnes. Bon, bah écoutez, on va commencer parce que on a des choses à faire, nous. Je change de scène, normalement c'est bon, voilà, on est là. Vous arrivez à lire le hashtag ou pas? Coucou Kiki, comment ça va? J'adore dire ça. Vous lisez bien le 7BB et le hashtag ou vous préférez que je les mette en haut? Enfin bon, soit... C'est bien, ok. Alors, petit récap. Nous avons notre matriarche qui dort enfin. Nous avons les triplettes qui sont devenues enfants. Nous avons les jumeaux qui sont devenus enfants. Et nous avons les aliens qui sont des salcassos de bambins de merde. Mais au moins, ce ne sont plus des nourrissons, donc on va pas trop se plaindre. Là, ça va bientôt être l'heure de l'école. Je crois que tout le monde a fait ses devoirs. Ouais, il me semble, j'avais tout bien fait. Et ben voilà. Le but, là, c'est d'avoir un A. Techniquement, les filles, elles vont avoir un A. Allez, debout, debout à l'école, hop. Les garçons, pas encore, mais elles vont avoir un A, là. Regardez, performance excellente. Dès qu'elles ont un A, ça devient ado. Dès que c'est ado, que c'est un A, ça dégage. Ça va pas être long, hein. Par contre, vous avez tous la même couleur, là, dans le chat, c'est... Je risque de sauter des messages et je suis navrée. Mais c'est... Vous êtes tous les trois en vert, pour moi. Vert pastel, très très beau vert pastel. Mais voilà, quoi. Pour la distinction, c'est pas terrible, hein. Bon, allez, hop, à l'école. Vous mangerez à l'école, on n'a pas d'argent. Team vert, yes. Il y a que Brest qui se distingue parce que... Elle a le petit logo... Bah non, Missou aussi, je suis con. Bah, il y a que Kiki qui se distingue parce qu'il a pas de logo modo. Ouais, là, elles vont avoir un A, hein. Si elles ont pas de A, je sais plus quoi faire, moi. Bon, quoi qu'il, je suis embêtée parce que figurez-vous, vous saviez que
On avait dit bonjour à tous les mecs du quartier, là, pour plus avoir à quitter le terrain, parce que techniquement, je n'ai pas le droit s'il n'y a pas d'adolescents sur le terrain. On a dérogé une fois la règle. Tu cliques sur le machin à côté de... Identité du chat à côté de envoyer un message. Et là, t'as des couleurs. C'est bizarre que ça valide pas les couleurs pour de bon. Bon, peu importe, c'est pas... On s'en fout. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc on avait été voir des mecs. Là, c'est bon, tu es violette. Lavande, je dirais. On avait été voir des mecs et regardez comme le jeu est bien foutu. Ils ne sont plus dans ces relations. Ça me saoule. Yes, moi bleu. D'accord, Braise. Toi bleu. C'est bon, on a dit à tout le monde de réviser assidûment, là. Ouais. Bon. Alors. Josiane, là. Elle s'appelle Georgia, rappelons-le. Georgia du slip. Parce que nous avons beaucoup d'humour ici. Respecte le bleu. Respecte la bleue. Ben, je fais ce que je veux. De toute façon, mon bleu, il est plus beau que le tien. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Braise? Tu veux qu'on se fight? Oh putain. Julien est réveillé. Non, va pas réveiller ta mère. Va chier. Oh putain, il peut pas. Bon, toi, lève-toi. Ève, lève-toi et danse avec la vie. Ève, lève-toi et danse avec la vie. Oh, quelle voix mélodieuse. Oh, vous aimez, hein? Hein, vous aimez? L'écho de ta voix. Je sais plus, c'est quoi la suite des paroles? Paroles, Ève, lève-toi. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ouais, j'ai fait le mi. J'ai fait le mi. bah, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça me le fait souvent. C'est pas la première partie où ça me le fait. Ça enlève toutes les relations dès qu'on change de terrain. Voilà, c'est parfait, hein. On adore. On adore, hein. C'est très chiant. Surtout quand tu fais un... Bah, comment ça s'appelle? Un let's play où t'as plein de familles et où tu te fais chier à entretenir les liens entre familles. Et dès que tu changes, ben... Oh, on s'en fout. Dès que tu changes de foyer, ils se souviennent plus des uns et des autres. Donc dans Lulabi, la première version, ben en fait, Lulabi, limite, elle se souvenait pas de ses enfants ni ses arrière-petits-enfants. C'est top, hein. Voilà, super, merci. Merci, bonsoir. Bon, nous, on va faire plein de bouffe. Parce que, bah déjà, il va falloir faire un gâteau. Je sais plus si notre gâteau, il est bon. Surtout, mets bien 8 ans à t'afficher. Hein. Allez, une brioche. On va faire de la brioche. On va faire tout ça. Et après, je vais m'occuper des bambins, vous inquiétez pas. On va faire des haricots aux saucisses. Bon, alors, les bambins. Il leur faut quoi? Communication. Ah d'ailleurs. Oh putain, ça va rebugger, je le sens. Vas-y Julien, va babiller. Oui, alors d'abord il fait dans sa couche. Voilà, super intéressant. Ouais, ça lag. Mais en fait, ils ont mis tellement de plats, de variétés de plats que maintenant ça bug. Mais ça fait un moment déjà. Hein. Il y a tellement de trucs à charger que le jeu, bah, il freeze un court instant. Alors, putain, ça... Donc ça bug encore. Voilà. On a combien? Oh, on n'a pas de thunes. On n'a pas de thunes. Ça coûte combien les tablettes pour les mioches là? L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ça coûte la blinde. Pas vendre des trucs. Parce qu'en plus, j'avais un tout petit peu redécoré. Parce que bon, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Après la bouffe, tu vas faire des tableaux, madame. Parce que là... Oh putain, elle avait pas fini. Oh, mais c'est tout dégueulasse partout.
Ouais, c'est vrai, on devrait compter ce qui bug pas. Bon. Va étudier les formes du schmoll bébert. Et je crois que ça monte moins vite avec la tablette, mais bon, ça pourra pas être plus lent, hein, entre nous. Et Bigfoot, ce sale petit con, il en est où? Eh, mais il a bientôt fini. Il manque le pot, la communication, la réflexion. Ok, hein, bah lui, il va regarder des vidéos. Voilà, il va apprendre à parler, il va pas nous faire chier. Oh, mais c'est pas l'heure de manger, Josiane. Georgia. Oh là là. Merci aux 5 gens qui sont là. N'hésitez pas à discuter le bout de gras avec nous. Pauvre femme. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui passeraient par hasard sur ma chaîne, qui tomberaient sur cette vidéo, sachez... Attends, elle attège le truc, là? Mais haricots saucisses! Ils sont passés où? Ah, c'est bon. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle avait têche les haricots saucisses. Mais ça va, hein? Putain. Qu'est-ce que je disais? Donc, le 100 bébés challenge, ça consiste à avoir 100 bébés avec 100 papas différents. Enfin, 100. Oh, putain, non, pas une vedette. 100 papas ou 100 mamans, enfin, 100 sims qui mettent en cloque, quoi. Différents. Sauf si c'est des jumeaux ou des triplés, évidemment, parce que ça. Voilà. Hein. Enfin, vous avez compris. Avec le moins de matriarches possible. Donc, c'est-à-dire que quand elle sera trop vieille pour pondre. Ce sera sa fille la suivante qui prendra la relève. Ou si on est un petit peu fou, ce sera un mec qui pourra tomber enceinte. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait dans le premier 100 bébés challenge que j'ai fini il y a quelques temps. Et pourquoi j'en refais un? Je ne sais pas. Peut-être que j'aime souffrir un peu. Surtout avec l'apparition de ces putains de nourrissons de merde. Qu'est-ce qu'il a, Julien? Il est pas content, Julien! Mais je m'en bats les reins, Julien! Toi aussi, tu vas nous dire que t'as une enfance malheureuse? Oh, ouin, ouin, boubou! Tiens, regardez, voilà, ouin, ouin! Oh, tiens, voilà, ouin, ouin! Oscar! Tiens, voilà, Oscar! Eh ben non, là, c'est tiens, voilà, ouin, ouin! Ouin, ouin, le Julien, c'est ça? Julien le ouin ouin. Et Bigfoot il va se lever là? Allez bouge ton gras. Non mais oh. Tiens voilà Oscar car. Oh putain il en a foutu partout. Ah je crois qu'il y en a un qui aime pas en plus. Il y en a un qui est difficile. Enfin, j'ai plusieurs gosses qui sont difficiles. Ah, ça va. Il en a juste foutu partout, mais mais ça va. Putain de bambin de merde. Ah, mais c'est bon, je peux le faire. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, je le fais pour toi. Hop. Ça, ça va. Ce serait bien, moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait une main invisible qui m'aide pour le ménage. Ce serait cool. Oh, Loupi, regarde, les litières de tes chats sont sales. Hop, elles ne le sont plus. Ah, c'est un gros porc. Hein. Martin, il est où? À l'école. Il bosse dur, Martin. Bon, après, les filles... je vais faire effort normal parce qu'elles sont déjà à fond. Donc ça sert à rien de les crever à la tâche. Et oh putain, faut qu'ils atteignent le niveau 2. Bon bah on va refaire une toile parce qu'il faut vraiment qu'on ait de l'argent. Argent! Ah bah voilà, les notes sont en hausse. Putain, ils sont tous... ils sont tous buggés là. Je sais pas si vous avez vu, ils sont tous apparus comme ça. En mode crise d'épilepsie. C'était un peu drôle. Un peu beaucoup. Bref, le gâteau. SVP. Le gâteau. La cerise sur le gâteau. Alors.
Ouvrir le frigo. Voilà, c'est ce que je voulais, là. Ah, vous avez déjà les bougies dessus. Le gâteau, il a vécu 16 ans. No joke, hein. Ah, mais cette poubelle, elle est parfaite, hein. Si vous voulez faire un tout petit peu de thune, c'est parti, quoi. Oh, elle a perdu une quenotte. C'est trop mignon. Bon, on n'a pas de temps, là. Les jumeaux, ils vont faire... Ah oui, d'ailleurs, je les ai relookés. Voilà. Bah, voilà comment ils sont. Pour lui, il pue. Mais ça, c'est un détail. Martin, tu pues. Tiens, voilà, Oscar. Hop. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Tu vas remettre des bougies. Et ensuite, Lara va souffler. Voilà, j'ai perdu le mot. Alors, c'est quoi? Oh, bah super, t'as l'air sympa, Starla. Pff, mets un truc au pif, tiens, ça va être le bien-être. Et puis voilà. Ouah! Ouah! Allez, hop, et tu vas faire tes devoirs, hein, parce que, bah, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Je sais même pas si c'est ça qu'ils disent. Je suis pas sûre, hein. J'ai jamais vu cette série. Ah, elle est fidèle et musicienne. Bah attends, on va lui mettre le truc musicien, là. Le génie de la musique. Ah bah, elle a une meilleure gueule, hein. Attendez, on n'a pas vu leur tête. Eh ben, ça va, hein. Bon, c'est pas des monstres pour le moment. On n'a pas encore de monstres. Ah, non, c'est... Mais si, si! Lara! En fait, j'ai essayé de leur faire des personnalités, mais bon, je sais plus maintenant. Ouais, ça va, elles sont pas mal, hein. Elles sont plutôt bien gaulées, hein. Bon, c'est des ados, on va se calmer. Et la dernière, parce que s'il y en a que deux qui grandissent sur trois, ça va être un peu bizarre. Bah ouais, mais non, je vais dire un truc méchant. Après, ma Sims de base est jolie. Enfin, je trouve. Après, chacun ses goûts, vous me direz. Mais ça va, quoi. Après, par contre, les pères, c'est un peu... c'est un peu la foire à la saucisse. Je ne sais pas ce que j'aurai. Bon, comme elle aime l'océan, elle va vouloir vivre à la plage. Voilà. Allez, c'est bon. Emballez, c'est pesé. Faites vos devoirs et ne me faites pas chier. Et faut quoi caser? Faut quoi caser? Oh, atteindre le niveau 3 dans une compétence. Qu'est-ce qui monte vite? Charisme, logique, jeu vidéo. Bah, elles vont jouer aux jeux vidéo, hein. Je pense. On va partir là-dessus, hein. Allez, on va aider ces mioches au devoir. Hop. Ta-da-da-da-da. Ils ont déjà du... Non. Alors, attendez. Du travail supplémentaire, voilà. Tu vas jouer à la poupée et Martin, quand tu auras fini, bah, tu iras jouer à la poupée aussi avec ton frère. Starla. Est-ce que tu peux faire du travail supplémentaire? Ouais. Donc bah, tu vas faire du travail supplémentaire. Non mais c'est réunion que tu peux avoir dans la chambre. Oh, trop bien! Depuis quand ils peuvent faire ça? C'est un bug ou ils peuvent vraiment le faire? C'est trop bien! C'est nouveau? Bah c'est nouveau, j'ai jamais vu. Coucou Didi, comment ça va? Ah, c'est peut-être depuis qu'il y a le truc où ils font des batailles d'oreillers, non? Ou depuis qu'ils ont mis plus d'emplacements, je sais plus où, sur les étagères ou je sais pas quoi. Bon, peut-être juste que j'ai jamais fait attention. Je pense que j'ai jamais fait attention. En même temps, en général, mes gosses, ils font leur devoir à table sur le lit de leur mère, quoi.
Là où ils ont été conçus. Là où tout s'est déroulé. Là où tout a commencé. Quelle horreur. Hop. Ah, c'est trop bien. En tailleur comme ça, c'est trop bien. Oui, tout déballé, bah bravo. Peut-être, ouais, année lycée, ouais. Je sais pas. Bon, eux, ils vont monter leur imagination comme ça, c'est parfait. Leur créativité, pardon. C'est bon. Allez, toi, t'es à 2. Martin, tu vas aller prendre une douche parce que tu pouques. Hein. Tu pouques, Martin. Vous voulez pas te le dire, mais là, va falloir faire quelque chose. Hein. Toi, tu vas aller aux toilettes. Tu vas aussi prendre une douche, tant qu'à faire. Et oh, c'est bon. Il sent pas le sapin. Vous savez que l'expression ça sent le sapin, ça veut dire que la personne va bientôt mourir. Tu dis ça sent le sapin pour Gérard, ça veut dire que ça veut pas dire qu'il a fait une balade en forêt, hein. Ça veut dire que c'est l'odeur du cercueil. Voilà, vous vous coucherez moins con. Aïe aïe aïe. Starla. Starla, elle va manger. Attendez, on va ouvrir le frigo. Est-ce qu'on peut mettre le bébé à la poubelle recyclable? Vous pensez? Ça pourrait être cool ça. Joue aux jeux vidéo, ça va augmenter ta compétence en... On peut pas, je crois qu'il faut que j'achète une... Oh putain. Faut que j'achète une console. Ça va, on a 3000. Hop. La la la, je sais plus où c'est. C'est dans la télé. Bon. Bah, elle sera par terre, hein, parce qu'on est pauvres. Et elle bouffe dans la chambre, mais ça me saoule. Bon alors, Julien. Julien, tu pues. Mais bon, c'est pas très grave. Ouais, ça veut la mort des Sims ici, hein. Ça craint, hein. Bon, toi, après, tu vas tout nettoyer, là, parce que c'est pas possible. Hein. Aider un peu ta pauvre mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Je vais me faire foutre, ça se passe comment? Visiblement, je vais me faire foutre comme d'habitude. Allez, on apprend à Julien là. Vous pouvez rejoindre la partie. Hop. Oh putain, les matérialistes, l'autre, j'avais pas vu. Eh ben, Bigfoot est beaucoup moins casse-couille depuis qu'on l'a foutu devant un écran. Vous voyez? C'est ça qu'il faut faire. Vous avez des enfants turbulents? Foutez-les devant une tablette. Les bons conseils. Vous avez des enfants turbulents? Ne jouez pas avec eux. Mettez-les devant une tablette. Voilà, c'est ça le vrai conseil. Je sais plus, genrer mes mots, moi. Oh, puis de toute façon, maintenant...
cercle. Mais non, mais je leur demande de faire la vaisselle. Ils en ont rien à secouer. C'est génial. Bon, au moins, elles peuvent jouer toutes les trois. Donc ça, c'est cool. Faut qu'elles aient la compétence 3 en plus. Bah, on n'est pas rendu, hein. En plus, on est jeudi. Oh putain, il faut leur passer le week-end. C'est chiant. C'est chiant. Chiant. En attendant, Bicou, il nous a pas fait chier une seule fois. Pas une seule. Ah oui, non, mais moi, je suis qualifiée, hein. L'éducation des mioches, c'est ma passion, hein. Je fais ça tous les jours. C'est bon, j'ai éduqué des enfants, je regarde Super Nanny. Mais en plus, quand on regarde ce genre d'émission, on se dit finalement c'est facile, les enfants, t'as juste à être à leur écoute et prendre du temps pour eux. Fin. Mais bon, j'en prends déjà pas pour moi, je peux en prendre pour des mioches non plus. Pas mal les bzaises. Oh, putain. C'est con, hein, vous les voyez pas. Il faudrait que je trouve un espèce de trépied de merde, là, pour avoir la caméra comme ça, tu sais. Je pense que j'aurai plus de vues. Vous en pensez quoi? Ça peut être pas mal, hein. Grosse vue sur les nichons, là. Regarde ça, le monde au balcon. Vue sur le balcon, exactement. Vue sur la mer. Horrible, qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle est stricte. Bah, en attendant, c'est une vraie question, hein. Bon, les petits gars, ils auraient besoin de divertissement. Je sais pas s'ils peuvent rejoindre. Ah ouais, ils peuvent rejoindre la partie, trop cool. Allez-y. Bah, ok, si vous voulez. Vous avez pas répondu, hein. Faut que je monte mes seins ou pas? Incroyable! On pose une question et les gens y répondent pas. Bon alors, on en est où des chiards là? Bon, lui, il a trop envie d'aller aux toilettes. On va sortir un plat. Comment ça, pas mal les bzaises? Il a bien monté la communication là, il en est... Ouais d'accord. Je reste même si tu montres rien, oui, non mais bien sûr. Presque il dit oui. Évidemment. Elle aurait dit non, je pense que ça m'aurait un peu choqué. Non, Miss, elle a dit non. Mais il en fout vraiment partout, ce sale morveux de merde. Bon. Tu peux finir ta communication, là, qu'on passe à autre chose, Bigfoot? Merci. Allez, arrête de chier. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Julia! Viens ici! Va te coucher! Bon, alors, attends, parce que mes filles, là, elles en peuvent plus. Toi, tu vas aller te laver et te coucher. Toi, bah juste coucher. Et toi, ouf, oui, bah toi tu refoules, hein, ma petite. C'est Églantine, je crois. C'est Églantine ou... Ouais, c'est ça. Allez, dodo, l'enfant d'eau, là. Ah. Qui a le cul en l'air? Ah, c'est la matriarche. Bah, bravo. Comment ça, mal les bzaises? Il est en panne le truc? Ah non, c'est bon. Ah si! C'est ça qui fait ce bruit désagréable depuis tout à l'heure! Je me demandais d'où ça venait le pouigou! Pouigou! C'est très pénible! Ah, faut le vider en plus! Putain, chiant! Allez, on va tout nettoyer. Youpi. Nettoyer. Balayer. Astiquer. La 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 la.
Bah non, mais en soi, c'est pas faux, hein. Les aspi-robots, faut les vider au bout d'un moment. Mais le wiku, là, c'est pas possible, hein. Allez, tout le monde dort. Dépêche-toi, Bigfoot. C'est toujours toi qu'on attend, Bigfoot. Oh putain, il s'est réveillé. Juste t'es mort, Bigfoot! Connard! C'est un aspi-robot, sinon. Il est dans chien et chat, je crois. Je crois que les chats, ils peuvent monter dessus. Voilà. Putain, il s'est encore réveillé, cette espèce de sale petit pédoncule! Bigfoot a trop peur pour dormir dans le lit. Eh ben, Bigfoot va aller farmer comme un petit chinois. C'était un peu raciste, pardon pour les petits chinois. Comme les joueurs coréens. Voilà, c'est pas raciste. C'est vrai, ils sont hardcore, hardcore gamers. Bigfoot nous fait chier. Alors, il faut quoi? Communication et réflexion? Je me suis retrouvée. Ah, ça y est. Alors, dès que vous avez le truc faire un câlin, vous pouvez y aller à fond parce que ça marche et ça monte la communication. Et là, vous allez voir, c'est magique, les gars. Allez, va faire un câlin au dino, là, que tu montres, que je montre ce que je dis. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Donc là, il est à 1%, hein. Il va faire un câlin, vous allez voir. 10, voilà. Il prend 9 points. Il prend 9 points plus ou moins à chaque fois. Donc, go, quoi. Quand je vous dis que normalement la compétence communication, ça monte ultra vite, je ne vous mens pas. Je ne vous mens point, les amis. Regardez, il est bientôt à 3. Bah oui, c'est génial. Et normalement, babiller, ça fait pareil quand c'est pas buggé. Mais là, je pense que frapper, ça fait pareil aussi. Mais j'ai pas envie que mes enfants frappent. Déjà, ils sont malheureux, ils vont pas en plus frapper. Ouais, la mage de merde a tout cassé comme d'habitude. On casse tout. Bon, maintenant, Jean-Gérard, tu vas jouer à Sims Form. Oh mon Dieu, rien ne va dans vos tenues. Dans vos tenues, ouais, dans vos tenues, les meufs. Alors, il n'y a pas de petit profit, donc on vend les. Les livres scolaires, hein, voilà. On vend les écouteurs. On peut pas les vendre. Honteux. Ah, s'il faut les placer dans le monde. Ouais, bon, flemme. Hop, pas de petit profit. 1 dollar, c'est 1 dollar. On vend aussi les dessins des gosses parce que, bon, si jamais on peut se faire un peu de thune avec, c'est tout bénef. Horrible. N'oubliez pas de vendre les dessins que vous font vos enfants. Voilà, de toute façon c'est dégueulasse, donc ça manquera pas trop, hein. Non mais c'est vrai, les dessins des gosses, pourquoi on garde ça? Déjà c'est moche, en plus c'est là en train de dire « Ah c'est merveilleux, il est beau ton cochon » alors que t'as dessiné un cheval. Et ensuite ça pourrit dans une boîte, autant les revendre. Futur Van Gogh, mon cul, ouais. Futur SDF, ouais. Parce que si vous croyez que je vais m'en occuper après, que dalle, hein. Je les mets dans un terrain vide et puis se démerdent, hein. Ouais, aussi, ouais. Oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est? Tu sais, le truc qui ressemble à R. Bah, c'est toi et papa. Ah, génial. Oui, c'est bien, mon chéri. Ouf, on va peut-être le faire aller voir un opticien, parce que là, si moi je ressemble à ça, au secours, hein. Ah, c'est bien, merci. Ça me fait penser à un mème de dessin qui tourne en ce moment. Avec la mère qui dit chérie, tu m'aimeras toujours si. Enfin, tu m'aimerais toujours si j'étais grosse, tu sais, le genre de questions de merde qu'on pose là. Alors que techniquement, bon bref, on s'en fout, c'est pas le débat. Et donc, évidemment, le mari dit, bien sûr que oui, je t'aimerais toujours. Et là, t'as le gamin qui s'amène. Mais maman, tu es grosse! Voilà. J'adore cette vidéo. Elle me fait trop rire. Ah, les enfants sont adorables. Adorables!
adorable bleu bleu. Mais il le dit avec une telle spontanéité, t'es obligé de rire. Enfin, je pense que la mère a pas trop ri. Le père était très gêné. Mais moi, j'ai bien rigolé. Par contre, je pense que ça m'était arrivé. Marie, t'es pas content parce que t'es fatiguée, mais quand je t'envoie au lit, tu veux pas dormir. Bah maintenant, tu farmes, Bigfoot, et puis c'est tout. T'avais qu'à dormir quand je t'ai dit de dormir, espèce de sale petit ingrat. Faut vraiment que je me dépêche parce que... Parce qu'après, ça va être le week-end et j'ai pas envie de me les coltiner le week-end, hein. Allez, hop, ça va jouer, là, ça va game. Allez, c'est bon, t'es propre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elles ont bien pissé, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bah, il faut jouer, Géraldine. Putain, elles sont chiantes. Je peux pas jouer parce que ma soeur est déjà en train de jouer. Bah, tu rejoins la partie, espèce de teubé de Sims. Enfin, bon... Je sais pas. En vrai, je sais pas si je l'aurais mal pris. Enfin, bon, au bout d'un moment, faut aussi admettre ce qu'il y a dans le miroir, quoi. Puis on s'en fout tant que l'autre t'aime. Bon, bref, j'ai pas envie d'avoir ce débat. Ah, c'est bien trop sensible. Vous, il vous faut quoi? Il y a tout, là. Il y a tout, bah voilà. Bah, vous allez aller attendre dehors. Allez, hop. Désiré, tu es encore en train de dormir. Oh, bah Désiré, il va déjà passer B. Et Martin, presque aussi. Bah, c'est cool, ça. On va prendre les restes. Allez, debout, madame. Non, ils y vont tout seuls. Oui, j'ai bugué, excusez-moi. On va pas perdre du temps à aller au lycée avec eux. Enfin, on s'en tartine le coquillard. Allez au lycée, les morues, là. Hop, hop, hop. Pourquoi elle est triste? Seule. Seule. Elle a passé la soirée d'hier à jouer avec ses sœurs. Elle est seule. Sa mère l'aide au devoir. Elle joue en multijoueur et elle est seule. Au bout d'un moment, faut se poser des questions, Starla. Hein. Tu serais pas un peu une attention whore, toi aussi, là? Seule. Je t'en foutrais du seul. Je vais te foutre dans une pièce toute seule. Tu vas voir ce que c'est que la solitude, ma vieille. Bravo, Désiré. Il a le droit de dormir. C'est un bon élève, c'est ça. Oh, putain. Quelle horreur. Je suis une horrible personne. Seul. Non mais... Je suis seul au monde. Y a rien à faire. Je suis seul au monde. Allez, ensuite on va mettre le petit Bigfoot sur le trône. Pas le trône du monde, juste le trône de son caca. Voilà. Sale mioche. Bigfoot, regarde-moi bien. Enfin, tu peux pas me regarder parce que tu n'existes pas. Sache que je te déteste, Bigfoot. Je te chie à la gueule, Bigfoot. Je n'ai qu'une hâte, c'est que tu te casses, Bigfoot. Et quand tu mourras, je ne serai même pas triste. Si je pouvais le mettre au four, je l'aurais mis, t'inquiète. Hein. En plus, ça m'évitera de dépenser de la thune pour faire à bouffer. Pardon. Ah non, j'ai un glaire. Super. Bon, n'ayant pas de sopalin, j'ai utilisé la technique du ravaler son glaire. Wouhou! Bon appétit, ceux qui mangent. Big dédicace à votre steak frite. Toi, Jean-Kevin, tu dois faire quoi encore? Le Julien, là. Communication. On sent l'amour pour Bigfoot. Ah ben, c'est mon préféré, clairement.
un ange en plus, donc forcément, je l'adore. Yes. Il me reste quoi? Réflexion, c'est trop chiant. Allez, vas-y, passe level 2, là. Voilà. Allez, on fait des câlins, on fait des câlins, on fait des câlins, parce que ce gros nounours, il est trop mignon, on lui fait plein de câlins. Bon, vas-y, va mettre l'autre sur le trône, là, il me saoule. Il me saoule. Il me saoule! Mais on s'en fout de l'université! On s'en fout du jour de l'an! On s'en fout de Hop! On veut juste qu'il ponde sa pêche! Et puis tu le remettras là après, hein, parce que il faut qu'il ait le niveau 2. Après, peut-être, il pourra avoir un peu de repos. Peut-être. Allez, on continue les câlins, Jean-Jean Gérard, là. Julien, 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 allez. Tout le monde les bras en l'air pour Julien. Je veux dans le chat. Julien, Julien, Julien. Voilà, qu'il est intelligent cet enfant, il a eu le cerveau des deux, dis donc. Ah là là, les jumeaux, il y en a toujours un qui est plus gâté que l'autre, hein, mais on ne dira pas lequel ici. En vrai, je dis ça, mais c'est Bigfoot qui est le plus avancé. Allez, c'est bon. C'est bon, là, il a assez chié. Hop, retourne à ta peinture, Josiane. Et Bigfoot, va dormir, tu nous les brises. Voilà. Allez, casse-toi. Casse-toi, boudin, comme on dit. Qui sonne encore? Mais ta gueule, Hop, j'en ai rien à foutre de ta life. Est-ce qu'on a payé les factures? Non, c'est bon. Bon. Ici, c'est bon. Julien. Julien, en vrai, ouais, non, il a encore pas mal de trucs. Hein. Je crois que si on l'aide à... Si on l'aide aux formes, il va apprendre plus vite, mais c'est chiant. Coucou, Oscar, ça va? Il est très beau, ton rouge framboise, Oscar. Ça te scie à ravir, très cher. De ton pseudo, je parle. Il va se dire, mais dis quoi cette conne? Donc je sais quelle cause. Ça fait plusieurs fois que je vois cette couleur, donc je sais pas si c'est toi qui l'as choisi ou si c'est aléatoire, mais elle est très jolie cette couleur, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez voir le bambin. Putain, non. Le bambin, il va arrêter de chialer, il va aller se coucher. Merde. Ce connard de Bigfoot de merde! Vous casse les couilles! Et l'autre, il est bugué! Le temps passe. Et Julien est complètement bugué. Ah non, c'est parce qu'il est en train de chier. Alors, voici la pause du caca. Merci, les Sims. Et je fais caca dans la couche! Oui, tout à l'heure, je lui ai fait une petite déclaration d'amour à Bigfoot. Allez, on le met sur le pot. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Oh putain de Bigfoot de merde. Oh putain. Oh, je vais me le faire un saucisson celui-là. Il commence à me courir sur le coquillard. Il est où encore? Il dort. Alors pourquoi elle veut aller le voir l'autre grognasse? Il fait caca. Aïe 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 aïe. Riii. Je pense que là, ils vont avoir B, les jumeaux. Ouais, ils vont avoir B. Ils vont avoir B. Toi, joue au plot avec lui, là. Ah, Julien.
Arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Tout pour me péter les couilles, ce mioche. Il me semble aussi qu'il aime pas la bouffe. Hein. Coucou mamie, ça va? C'est ça. Déteste aller se coucher. A le sommeil léger. Et après, il pleure parce qu'il est fatigué, parce que il veut pas dormir. Dors, espèce de sale fils de chien, ta mère la chouin. Non, mais Bigfoot, mais je vous jure, mais si quand il grandit, quand il devient ado, quand il passe adulte, s'il peut mourir de honte, de colère ou quoi que ce soit, je prends. On n'en peut plus. On n'en puis plus de se moufler. Cette espèce de sale petit con. En vrai, s'il a dormi 3 minutes, je vais le faire relever et il va aller farmer la réflexion. Hein. Il me les brise. Ah, il me les brise à chez menu, là. Bon, les filles, elles en sont... Ah, bah, c'est cool, les filles, regardez. Elles vont passer bientôt 3. Enfin, bientôt... Ah, elles ont déjà B. Cool. Cool, 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 cool. En dessous de la moyenne. Églantine. Églantine. En dessous de la moyenne? Pardon? Alors, les jumeaux, les notes sont en hausse. Mais ils sont tous en dessous de la moyenne. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Regarde, c'est excellent. Ah, putain de merde. Bon, alors. Vous allez jouer. Bah, de toute façon, c'est vendredi. Donc, en fait, on s'en fout, hein. Vous allez ouais, jouer avec ton frère à la poupée. Vous avez le temps, hein. Oh putain, il y en a une qui marche comme un zombie, là. Et je sais que les ados, ils ont des démarches un peu cheloues, mais j'ai jamais vu un ado marcher comme ça, moi. Ah non, mais Nils, il est mieux. Excuse-moi, il a fait une bourde une fois. Bigfoot, c'est un enfer sur pattes. C'est l'enfer en couche-culotte, Bigfoot. Il n'a rien pour lui, cet enfant. J'ai remarqué que quand je prends une voix énervée, j'ai un espèce d'accent belge chelou qui ressort. Mais le belge caricatural tout pourri, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué. On se fait chier, hein. On se fait grave chier et les cours sont finis. On va passer 2 jours à en chier. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais jouez encore, bande de biatchs. Dédicace à ma biatch. Maintenant, Rihanna, il faut que tu reviens. J'ai fini tous les mots de mon vocabulaire. Halt. Ah, il a faim. Julien a faim. Bah, Julien, il va prendre ses petites patounes. Et puis il va aller faire à manger, ce gros bouffon, hein. C'est pas parce que t'as 3 ans que tu peux pas faire la bouffe. Allez hop. Pas de carbo. Va couper les dés de lardon. Va tuer le cochon pour faire le jambon. Lalalala. Bon, on va vider ce putain de pot. Bon, est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts, c'est déjà ça. Bon, bah peut-être enfin pouvoir... Oh putain, il en a refoutu partout. Ah!
C'est quoi ces traits à celui-là? Mange salement à le sommeil léger. Non, mais ils vont tous me les faire, le sommeil léger. Hein. C'est, ça se passe comment? Pourquoi ça me fait chier de devoir passer 2 jours là? Je pense que je vais les mettre en autonomie. Hein. Bon alors, les petits jumeaux, ils en sont où? 3 sur 4 et toi, 3 sur 4. Bon, vous avez bien joué, vous allez faire vos devoirs parce que vous êtes des petits garçons respectables et respectés, et très mignons et gentils. Voilà. Et puis Désiré, il fait la vaisselle. Oh, mais qu'il est bien ce petit gars! Oh là là! Il est parfait! Il est parfait! Contrairement à d'autres! Mesdemoiselles, il est temps d'aller manger. Allez. Voilà. Ça, ça mange. Bigfoot. J'ai pas envie de lui parler. Je ne veux pas lui adresser la parole à ce petit morpion. Je suis Morpac le morpion. Regardez comme je suis mignon. Genre vraiment des bails, je vous devais pas être né. Hein. On va finir là. Vas-y, Julien. Oui, vas-y, Julien. Julien! Avec ton beau taxi. Bouette, bouette, bouette. Merci, Missou, de connaître. En avant, Julien. Julien! C'est toi qui conduis. Bouette, bouette, bouette. Normalement, c'est oui, hein, si. Si vous n'avez pas la ref. Donc ça c'est bon. Mesdemoiselles, vous allez faire vos devoirs. Même si en soi ça presse pas puisque c'est le week-end. Mais c'est pas grave, vous allez quand même faire vos devoirs. Allez hop. Nous on va farmer l'étoile. Et ce sera les enfants qui vont ranger, qui vont s'occuper des petits et tout. Hein. Tu peux faire du travail supplémentaire? Oui, il fait du travail supplémentaire. Tidaninana. Tidi. De rien, Brézou. Si tu veux, j'ai entendu il y a pas longtemps une autre musique, si tu veux. Au pays de Tchoupi. Mais je me rappelle plus de l'air. Sinon j'ai Scooby-Doo. Cet après-midi j'ai dansé Scooby-Doo toute l'après-midi. Quoi neuf Scooby-Doo? Non, te suis partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout sont avec toi mon chou. Quoi neuf Scooby-Doo? Mais après je sais plus. Na 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 na. Ta-da-da, na-na-na-la-la-la, Conan Scooby-Doo. Merci Oscar, je savais que tu serais avec moi. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Désiré, tu vas jeter les saloperies. Martin, tu vas nettoyer les trucs. Le petit là-bas. Petit bout de cul, qu'est-ce qu'il a? Il est épuisé, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Imagination 3. Bah c'est bon Julien, tu peux aller dormir. Va dormir mon petit bichou. Zou, 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 zou. Voilà, comme ça après les jumeaux, ils vont pouvoir finir de monter leurs compétences. Bah du coup, ils vont pas faire les tâches ménagères, hein, parce que bon. C'est les filles qui vont le faire. On va résoudre le mystère. Les indices après tout sont avec toi mon chou. Connais ce que bidou. Faudrait que je retrouve les paroles. Un jour je vais vous faire un karaoké, vous allez rien comprendre par contre hein. Et je pense que vous me supplierez d'arrêter.
Tu peux chanter Peppa Pig, mais c'est un générique, ça. C'est la merde. C'est la merde, c'est nul. C'est inintéressant, Peppa Pig. Oui, mais Miss, on rappelle que tu es maso. Alors, j'ai rien contre les gens maso, hein, mais bon. Je veux juste appuyer le fait que tout le monde n'est pas ton avis. Wow! Agano! Wow! Moi aussi, je peux le faire, hein. Elle chante sous la douche. Hop. Ce serait bien qu'on puisse faire des chaînes, des toiles à la chaîne, là. Comme les... Non, je ne vais pas faire cette blague. Je ne fais pas cette blague, je ne fais pas cette blague. La 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 la. La la. Je suis infernale. En début de live, je sais pas si vous avez remarqué, faut que j'arrête de dire ça, ça me saoule. Mais je suis toujours un peu infernale. Quoi, t'as pas fini tes devoirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que diantre que ceci? Et eux, ils ont fini? Bah oui, parce que ce sont des petits garçons exemplaires, contrairement à leurs petits frères! Aïe, aïe, aïe. Tu représentes les masos, Miss? Bon, ça va. Ça me convient comme réponse. Attends, il en est où, Bigfoot de mon cul, là? Bigfoot! Réflexion 2. Oh, il va encore chialer. Non, c'est bon, tu chiales pas. On va faire des formes. Et le pot, il en est où? Ah, bah attendez, on va lui faire farmer le pot. Il aura des raisons de pleurer. Allez, fais caca en boucle. Hop. La 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 la. Satyre, c'est quelqu'un qui fait souffrir les gens. Donc c'est plutôt martyr. Miss. Moi, je veux pas de karaoké, merci. Tu dis ça, Braise. Mais bon, ça fait quand même depuis 2016 que tu suis ma chaîne. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est pas moi qui t'ai forcé à rester, hein. Bah parce que les gens, ils n'ont pas de vocabulaire. S'ils te traitent de satyre. Alors que satyre, c'est sadique. Qui est le contraire de masochiste. Et martyr, martyr. Maso, satyre, sadique. Ça cogite ou pas? Je crois, hein, je suis en train de douter de moi-même, mais je suis à peu près sûre que c'est ça. Hein. Oui, mais quoi, Braise? Vas-y, j'attends ton explication. Ça y est, c'est monté. Bah, tu leur expliqueras, hein, parce que s'ils te traitent de comment de satire, ils ont pas tout compris à la vie, je crois. Hein. Oh, Bigfoot s'est endormi. Mais visiblement, il n'y a que sur le sol qu'il dort bien. Hein. Il n'y a que sur le sol qu'il nous fait pâcher toutes les 10 minutes pour dire ouin ouin, je pleure, ouin ouin, ça va pas, ouin ouin, j'aime pas me coucher, ouin ouin. Mais n'importe quoi, Braise. Sadique, c'est aimer faire mal. Maso, c'est aimer avoir mal. On a déjà eu cette conversation à peu près 8607 fois. Oui, mais quoi? Chorchia va finir de peindre un chef-d'œuvre. Eh bien, super! On va le vendre. Attends, combien le chef-d'œuvre là? 700? Un chef-d'œuvre, 700 balles. Eh ben super, c'est nul. Oui, mais je réfléchis. Bah, réfléchis pas trop fort, ça sent le cramer. Ma petite Starla. Bah, il est temps d'aller te coucher, hein. Écoute, il est 23h, je pense que c'est une bonne heure pour dormir. Les garçons aussi. Martin. Et Désiré. Ça va aller se coucher, tout ça. Hop là, voilà. Bonne nuit, mesdemoiselles. Vous avez vraiment un look affreux, par contre, hein. C'est pas possible, hein. Eh ben, reviens quand t'auras une répartie, ma Brézou. Ah, je suis chaude, là, ce soir. Je suis prête, hein. Prête à en découdre.
oui, bah c'est ce que oui, tu dois être maso. Donc, tu viendras si je fais un live karaoké. Ce n'est pas une question, ou alors une question rhétorique, c'est-à-dire qu'il ne demande pas de réponse, donc c'est pas une question au final. Bah va chercher si tu veux. Mais c'est ça, hein. Sadique, sadisme, marquis de Sade, aimer faire souffrir les autres. Je serai en train de dormir pendant ton live karaoké. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Jean Guérin, il lui reste quoi? Il lui reste juste la réflexion et le pot. Et le pot. Ne crions pas victoire trop vite. Il ne faut pas oublier que ces bambins me font vraiment chier. Bah, tu dors pas toute la journée, Braise, qu'est-ce que tu me baves? J'ai pas dit que j'allais faire un live karaoké là, maintenant. J'ai dit que peut-être un jour j'en ferai un. T'as réparti me quoi, Braise? J'attends? Et me quoi? Parce que voilà, ce n'est pas une fin de phrase! La bataille de coq nulle. Bah, attends, du coup. Définition sadique. Parce que vous n'avez pas l'air de le taper. Alors, se dit d'un sujet présentant du sadisme. De qui prend plaisir à faire souffrir. Qui manifeste une méchanceté, une cruauté systématique. C'est un sadique qui fait pleurer les enfants. C'est la phrase de l'exemple, je ne l'ai pas inventée. Voilà. Allez, merci Google. Je ne suis donc pas folle. Allez, on refait une toile parce que là, ça va pas du tout. Merci Google. Ben, en attendant, c'est exactement ce que j'ai dit, hein, donc merci Loupi. Non, mais oh. Ah, ça y est, Julien a la compétence 3. On réflexionne. Réflexionne. Ah, et l'autre qui chiale sur le pot, on n'en peut plus. On n'en puis plus du Bigfoot. Ma répartie t'embrasse. Oh, c'est mignon. Je n'y crois pas une seconde, mais c'est mignon. Bon, on en est où dans le frigo, là? Est-ce qu'il va falloir refaire un plat? Mais ça, on s'en fout de ça dégage. Oh, t'es joué pour les gosses, on revend. Vous avez vu le prix du papillon dégueulasse, là? Ah oui, il n'y a plus de bouffe. Bon, écoute, après ça, tu vas faire... Oh, c'est beau. Oh, j'apprécie. C'est très... J'ai pas le mot. Pas original, mais... Oh, putain, ça m'énerve. Imaginatif. Mais t'inquiète, il n'y a pas de combat. De toute façon... avec toi, je gagne à l'avance, donc c'est pas, voilà, c'est pas un combat. Je pense, un combat, ce serait contre mamie, et en fait non, parce qu'elle me ferait fermer ma gueule assez vite. C'est pas un combat si l'adversaire est pas à ta taille, c'est ce que je veux dire. Bon, peut-être je suis en train de m'enfoncer. Laisse ce putain de bébé de merde. Il pleure encore! Oh, regardez la truite de la rage! Ah, je sais pas, fais un concours de répartie avec. Je sais pas, quelqu'un d'autre. C'est pas grave, hein! Je peux t'entraîner si tu veux. Mais après, tu deviendras un monstre comme moi. Et peut-être que les gens t'aimeront moins. Peut-être. T'es fatigué? J'en ai rien à carrer! Bon, on va dormir, de toute façon il va se relever dans 10 minutes pour me dire, il aime pas me coucher. Ce gosse de merde là. Oh là là, il reste encore tout ça. Ta-da-na, ta-da-ta-da-ta-da-na. C'est ça. M'aimeront toujours autant. Peut-être. Peut-être pas.
Bien sûr, tout ce que je dis, Brésoul, c'est pour t'embêter, mais tu sais que je t'aime, hein. Je le dis devant tout le monde. Je t'aime, Brésou. Oh. Ruru, oh. T'as entendu? Je t'aime aussi, Ruru. C'est pas le même amour. Toi, tu es l'amour de ma vie. Ouais. Saigné, putain. L'amour de ma vie. Oui, oui. Oui, oui. Putain, laisse ce gosse. Hein? Pourquoi? Bah, ferme pas, les chats vont venir. Nanana. Taratarataranana. Connard Scooby-Doo, nous te suis partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout sont avec toi, mon chou. Connard Scooby-Doo. Arrête de chialax. Arrête, j'ai dit. Ah non, il va s'évanouir. Mais je sais pas, mais si vous êtes fatigué, allez dormir. Arrêtez de vous lever toutes les deux minutes dans ce cas-là. Parce que là, ça devient ridicule, en fait. Bon, ça va, alors. Ça devient ridicule. Ils sont crevés, ils vont pas se coucher. Et en plus, ils font chier leur mère. Oh putain, il s'est réveillé, l'autre cassos. T'en as pas assez, Bigfoot? T'en veux encore? Eh ben, c'est parti! Hein? Sale petit cancre! Ah si, c'est conduit à toi, mon chou. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, je dis, c'est avec toi, mais je sais pas pourquoi. Moi, en fait, j'ai compris ça quand j'étais petite. Et depuis, je leur dis. Mais c'est conduit à toi, tu as raison. Conduit à toi, mon chou. Quoi neuf, Scooby-Doo? C'est vraiment nul comme générique, mais en même temps, c'est un peu prenant, alors j'aime bien. La 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 la, la 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 la. Bref. On se fait chier avec ces bambins qui ne dorment pas. Ils vont jamais se coucher, donc ils sont jamais en forme, donc ils s'évanouissent toutes les deux secondes, donc les compétences ne montent pas. Ça commence à me casser les couilles, même si j'en ai pas. Vivement qui dégage, vivement qui dégage. Le truc, c'est qu'ils vont dégager, puis après j'en aurai d'autres, et avec la chance que j'ai sur les 7 là... Les bambins, ils étaient tous méchants et sommeil agité, veut pas dormir, aime pas la bouffe. J'ai que ça, quoi, comme trait de merde. Martin, il va bien? Bah, ah oui, tiens, il est levé. Bah écoute, il pue, donc il va aller se laver, petit Martin. Bah oui, Martin, faut prendre sa douche quand même. Mais enfin, Désiré aussi, allez hop. Et ensuite, on va enlever la nourriture gâtée, puis je sais pas, bon, on va prendre à manger. À manger. La 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 la. La 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 la. Bon, ça me saoule là. J'ai dans la tête, je suis navrée. Enfin non, en fait, je m'en fous un peu. Bah oui, Martin, sois propre enfin. La 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 la, je me douche. Voilà, ils se douchent, ils sont trop mignons. Franchement, ils sont trop mignons tous les deux. Les filles, elles sont très belles aussi. J'ai un peu envie de les relooker. Vous en pensez quoi? D'habitude, je le fais pas. Mais je pense que ce soir, elles vont partir de la maison, donc autant les relooker. Quand il va partir, je serai triste, c'est bon. Il y en a encore 93 à avoir, t'auras le temps de te rattacher, hein. Non mais ça va, on va pas faire 15 Martin non plus. Allez, toi, si tu vas prendre une douche, parce que là, ça va pas être possible. Hein.
Ouais, je vais aller relooker. Relooker et pas reluquer, hein. On s'entend. Bon bah enlève la nourriture pourrie alors, c'est quoi tout ça? On te... Pourquoi on te... Qu'est-ce que t'as? Mais pourquoi vous saltiez? Pourquoi vous m'insultez encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ils sont pénibles ces enfants là. Et je ne parle pas des Sims. En parlant d'enfants pénibles. Je vais te manger avec une sauce tandoori et te faire frire. Mon Dieu. Ça a quel goût la sauce tandoori? Me dites pas goût sauce tandoori, nye. Mais ça pique. C'est amer, c'est acide, parce que j'en entends souvent parler, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Arrête de chialer. Arrête de chialer, tu nous casses les couilles. Arrête de chialer, et va donc chier. La 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 la. Est-ce que tout est bien fait? Ouais, donc tu vas pouvoir jouer aux jeux vidéo. Oui, en jeu vidéo. C'est pas possible, Luke, hein, par contre. Oui, tu aimes les jeux vidéo. Oh, t'as faim, toi? Bah, va manger, enfin. Et ensuite, tu vas rejoindre. Les jumeaux, vous allez rejoindre, puisque vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et ce putain de Bigfoot! Ça y est! Il est enfin level 3. Est-ce que madame, vous êtes levée? Oui, vous êtes levée. Bah, tu vas enseigner les formes à ce petit con de merde qui nous casse les couilles à tous. C'est Bigfoot qu'il s'appelle. Il s'appelle Bigfoot et il nous fait chier! C'est pas du curry? Bah, je sais pas. Tandoori possède un goût légèrement pimenté et très aromatique qui se révèle particulièrement à la cuisson. Il est considéré comme le plus pimenté, que son cousin, le garam masala. Mais t'as cru que je savais ce que c'était que le garam masala, toi? Bah c'est très intéressant. Bon, en tout cas, c'est un petit truc pimenté. Ok, bah faudrait que je teste. Bon, par contre, vous faites pas de fêtes. Vous avez pas le temps de faire des fêtes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut supprimer ces putains de... Qu'est-ce que c'est que ça, le bloc-notes? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Est-ce qu'on peut supprimer les fêtes? Bah, je crois qu'on peut supprimer les fêtes, mais je ne sais plus comment. Nanana. C'est l'anniversaire de qui? Ah. Demain, c'est l'anniversaire des morveux, là. Je vais essayer de les faire... Bah Martin, pourquoi tu joues pas? Oh, il y a que 4 places, pauvre Martin. C'est pas grave, regarde la partie, tu joueras après. Bon allez Julien, debout là. Debout Julien, debout Julien, debout. Piment doux, poudre, sel, ail moulu, piment fort, coriandre, cumin, carvi, romarin, thym, girofle, laurier, cannelle, poivre gris. Ok. Bref. Elle est salée, Braise. Bah, c'est parce qu'elle est bretonne. Voilà, la petite blague. C'était drôle, j'espère que vous avez ri. C'était nul. Ah, la réflexion, c'est long à monter. Mais non, c'est bon, lui, il est déjà à 3. Ah bah ça va alors, on a plus que... Il va encore s'évanouir.
J'en ai marre. J'en ai marre de ce Mais en vrai, Désiré et Martin, ils sont adorables. Je crois que j'ai pas dit ça quand ils étaient nourrissons, par contre. Mais là, pour le moment, ils sont vraiment adorables. Ils ne font pas chier, ils sont tranquilles. Tranquille le canard. On va prévoir des tenues parce que j'avais dit qu'on relookerait. Et je fais ce que je dis, les enfants. Laisse Bigfoot, il nous fait chier Bigfoot. Oh, il chiale encore, mais on n'en puit plus de lui. Les filles, compétence 3, très bien. Hop. Tu vas enseigner les formes à Julien. Et toi, tu vas apprendre à l'autre con à... ah bah non. Bah non, non, attends. Ça ira plus vite s'il est assisté, je crois. Bigfoot de merde. Mais non, je suis pas, putain. Hop là, voilà, pardon, excusez-moi, j'étais un peu... Alors, je voulais... Je crois qu'à la base, c'était... Églantine avait un style décalé, Lara un style un peu garçon manqué, et Starla, bah, c'était une girly. Voilà, c'est ce que j'avais un peu choisi. Donc, on va lui remettre les cheveux longs. Très long, très long, comme ça. Ou plus bouclé. Ouais non, ça c'est sa mère. Je sais pas s'il y a énormément de... De jolies coiffures vraiment frisées. Ça manque un peu. Ils en ont rajouté, hein. mais je trouve que ça manque quand même un peu. Ah, celle-là. Ah, j'aime bien. Mais je sais, ça fait pas très girly ici. Oh, je suis peut-être... Bon, je sais quelle robe je veux lui mettre. C'est une robe dans... Vistadine. Voilà. Magnifique. Team chat. Team chat. Et du vernis, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, on va pas lui faire toutes ses tenues parce qu'on s'en branle, par contre. Voilà. On va lui faire la tenue de nuit. Qu'est-ce qu'elle va mettre? Une jolie chemise de nuit. Oh, ça, c'est mignon. Un rose, évidemment. Parfait. Les chaussons lapins. C'est important. Une petite robe d'été. Celle-là. Elle est très jolie, Star. Mais elles sont très jolies, les trois. Je crois qu'il y en a une qui a les yeux bleus. Ou gris bleu. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus. Ah bah c'est Lara. Bon, j'ai la flemme de leur faire leur maquillage par contre, hein, vous m'en voudrez pas.
D'ailleurs, le rouge à lèvres pour dormir, c'est non. Hein. Excuse-moi. Excuse-moi de casser ton délire. Des os, pas des os, quoi. Je sais plus en fait si c'était Eglantine ou elle qui était garçon manqué. Bon bah ce sera elle maintenant. Voilà. C'est pas possible ce rouge à lèvres. Rose fluo là. Ça va pas non tout hein. Elle est marrante cette musique, je la connaissais pas, c'est une nouvelle. C'est parce que à chaque fois je tombe sur la musique des vampires, j'en peux plus. C'est peut-être du pack. C'est lequel là? Grandir ensemble. Merci les 13 gens. Non, c'est 8, ouais. Merci les 8 gens. 8 spectateurs et 13 followers. 13 followers, c'est le nombre de gens qui sont abonnés. Mais c'est déjà bien 8, hein. C'est très bien. Surtout pour du relooking de Sims, quoi. On s'en branle. Oh, on va lui mettre ça. Non. Je sais pas. Da-di-da-da. Jean, je veux un Jean, s'il vous plaît. Pas un Jean Moulin, ouais, ça va. Bah, je pense que ça vient du nouvel add-on. Quoi déjà? Vivre ensemble? Je sais plus. Non, c'est pas vivre ensemble. Grandir ensemble. Maintenant, ils vont avoir les mêmes verbes. Enfin, ils vont avoir les mêmes titres. C'est juste le verbe qui va changer. Vivre ensemble, grandir ensemble, manger ensemble, chanter ensemble, crever ensemble. Ça, c'est une chanson de Kyo. C'est pas le pire. Grandir ensemble, mourir ensemble, ne plus attendre. Putain, c'était quoi? Na 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 na. C'est cette musique-là, mais je sais plus les paroles. Oh, vous connaissez pas Kyo? Et j'ai pardonné. C'est ça, pardonné de Kyo. Et j'ai pardonné. Nanana, nanana, j'ai appris à rêver. Eh, c'est trop bien, Kyo. Mais après, il monte un peu aigu et moi, je n'y arrive pas. Et j'ai pardonné. Et j'ai plus de souffle. Et j'ai fermé les yeux, j'ai appris à rêver. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté Kyo, c'est trop bien. Bah pareil. Bon, je connais plus... bah là, évidemment, j'ai un trou de mémoire, mais... bah, c'est surtout l'album Le Chemin. J'ai que celui-là. Et je connais à peu près toutes les musiques dessus, même si j'ai des trous, des fois. J'ai fermé les yeux, j'ai appris à rêver. Et j'ai pardonné. Ah, il me manque une phrase, ça me frustre. Ça me frustre de fou. Sur ma réalité, je sais plus. C'est l'album Le Chemin. Il me semble que c'est le nom de l'album, mais c'est aussi une musique. Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ongle. Ça me prend trop nostalgique, c'est horrible. Je sais plus ce que je fais. Voilà, on va lui mettre des vieux mocassins hideux.
Mais elle a encore son rouge à lèvres de chouin. Mais ce n'est pas possible, Josiane. Non, elle a un peu la face ouf, quand même. Hein. On va voir ce que ça donne adulte. Mais pour le moment, c'est un peu... Oh non, c'est pas possible, c'est lunettes. Pas pour toi, chérie, pas pour toi. Pour Églantine, peut-être, mais pas pour toi. Ah, ça. Bah, du coup, c'est bon. J'avais bon. Et j'ai pardonné. Et j'ai fermé les yeux, j'ai appris à rêver. Et j'ai pardonné. Et j'ai fermé les yeux sur ma réalité. C'est ça, c'est trop bien. Bon, on va se calmer, on va se concentrer sur le relooking, sinon on va jamais avancer. Excusez-moi, là, mes 15 ans dans ma face. Savez-vous, moi aussi j'ai eu 15 ans un jour. C'était il y a longtemps. C'était pas une bonne période d'ailleurs, mais c'est pas grave, il y avait quand même des moments fun. D'ailleurs, j'écoutais Kyo parce que j'étais complètement déprimée et que j'avais pas d'amis. Enfin, j'avais pas d'amis, c'était compliqué. C'était compliqué. Mes amis étaient partis au lycée, donc... Et moi, j'étais encore au collège puisque j'ai redoublé. Donc c'était un peu compliqué, c'était pas la meilleure période de ma life, c'est la période où j'ai perdu mon cheval, c'est la période où j'ai eu du harcèlement au collège et au lycée. Mais il y avait quand même des bons moments. Et Kyo, bah, j'écoutais ça en boucle parce que j'étais trop Dark Kiku, quoi. Dark Kiku. Bon. Voilà. J'ai envie de chanter Kyo maintenant. Je ne vous remercie pas, les gars. Allez. Églantine. Alors, elle, on va s'éclater. Alors, on va lui faire un petit look. Vous êtes pas prêts. Hein. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Mais ça va être... Déjà, on veut des cheveux colorés. Alors, je ne sais pas lesquels, mais elle va avoir des cheveux colorés. Ça, mais je crois que... Non, ça, c'est pas ouf, ça. Les frites. Bah, Martin a déjà cette coupe, donc on va pas lui mettre les frites, on va lui en mettre une autre. Si, je sais la coupe que je veux, mais il faut que je la retrouve, je sais plus dans quelle elle est. Il y a la coupe biface, là. Vanille chocolat. Elle est dans quelle add-on, celle-là? Je sais plus. C'est toi qui as chanté, pas nous. Bah oui, je sais que c'est moi qui chantais, mais je sais même plus pourquoi j'ai chanté. J'aime bien chanter. Je chante... Ah, elle est là. Oh mon dieu, ce que c'est laid. Bon, on va avoir d'autres couleurs, hein, parce que là, c'est pas possible. Alors, on a le vanille fraise. Attendez, on va tout regarder. Vous savez quoi? C'est vous qui allez choisir. On va faire son look ensemble, entre guillemets. Donc, on a cette horreur. On a Cruella. On a bleu et châtain. Châtain et blanc. Châtain rose. Vanille chocolat. Rouge et rose. C'est immonde. Non, je refuse. Ça, c'est un peu moins pire. Roux et violet. Roux et délavé. Blond et noir. Blond et vert. Blond et blond. Encore du vanille chocolat. Vanille fraise très clair. Vanille fraise des petits pots, là. Vous savez, les petits pots. Pour les enfants, petit pot de glace, ça c'est pas ouf, enfin ça va, ça c'est immonde, gris bleu vert, rose, enfin vanille fraise mais plus saturé, immonde, bleu, c'est, on voit, alors là les gens qui ont des soucis avec les couleurs ils voient à peine la différence là, donc on a un cyan et un bleu vert, c'est très vert et vert, marron et marron, et non. Bah, moi, j'aime bien pas celle-là. Celle-là, ça va. Celle-là. En vrai, j'aime bien celle-là. Tu le pot de glace? Je vois pas la différence. Je vous assure qu'il y a une différence, mais franchement... Mais c'est parce que moi, je fais chier avec les couleurs, donc... En fait, ce côté-là,
c'est plus vert et ce côté-là, c'est plus bleu. Mais si t'as un souci, que tu vois pas le vert ou le bleu, vu que c'est un bleu-vert les deux, bah t'es dans la merde en fait. Bah ça dépend, peut-être que... Vous savez que aucun humain de ce monde ne voit les mêmes couleurs, exactement. Exactement la même couleur. Et en plus, ça peut... En plus, on peut prendre en plus le paramètre, ça fait beaucoup de en plus dans une phrase, le paramètre de l'écran. Tout est bleu. Non, non. C'est deux bleus verts. Et celui-ci est plus vert que celui-là. Voilà. Ah oui, t'es à moitié daltonien, bah c'est mort. C'est mort pour toi, mon pauvre vieux. Bon, allez, vanille fraise, on va pas y passer la nuit. Hop. Alors, on va se mettre un look pas possible. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Des fleurs. Oh mon dieu, c'est affreux. Mais... Elle est épaisse comme un fil à couper le roquefort, cette dame. Ah oui, c'est l'heure des médocs. Bien dit. Parce que j'ai éteint mon... J'ai éteint mon réveil vitef. Mais Miss, tu devrais faire un test de daltonisme, hein, parce que... À chaque fois, c'est pareil. Ou c'est ton écran, parce que... Non, c'est ton écran, parce que tes yeux, ils vont très bien. Quand on regardait les vernis, tu voyais les mêmes couleurs que moi, donc... Oui, Grougal, c'est mes médocs. Quel chieur. Non, 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 c'est vraiment ton écran. Parce que quand on regardait les vernis, tu voyais pareil, donc... À la teinte près. Il y a du nouveau, ben, faut arrêter de s'inventer des maladies aussi. On n'a pas assez comme ça. Ma pauvre. Je sais pas quoi lui mettre, j'avais une idée, puis... Ah, ça. Magnifique. En vrai, j'aime bien cette combi. Bah, c'est quoi le nouveau maintenant? Je suis curieuse. C'est quoi le nouveau? Mais l'autre vanille fraise, il est mieux, je trouve. Voilà. D'ailleurs, c'est fraise vanille. Ouais, elle est trop belle, la combi. Bon, alors, pour dormir. Il n'y a pas un t-shirt arc-en-ciel, là? Ah, oh, il y en a sûrement un, mais... Bon, la flemme de le chercher. Ah, on va... Oh, bah oui! Le soutif pizza, c'est magnifique, ça! Magnifique, ma chérie! Mais ça, c'est pas un pyjama. Enfin, je sais pas. Non, bon, on va lui laisser celui-ci. Le vert, je le vois orange. Bah, quand je t'ai montré mes vernis verts, tu les voyais verts, hein. La pizza est là. Attends, il faut qu'on trouve un autre haut bien bariolé, là. Les trucs de carnaval où il y en avait partout. Ouais, ça va en vrai, hein. Ah! Voilà! Magnifique! Oh, la bille comme l'as de pique. Ouais, ça va, c'est pas une pute non plus. On va mettre ça. Ah, parfait, les petits cœurs! Bon. J'ai passé beaucoup trop de temps à relooker ces personnes qui ne vont pas rester et vite dégager. Ça ne va pas du tout. Oh, ça c'est beau ça. Oh, quel chef d'œuvre. Oh, c'est parfait. Ah. Voilà. Bah non mais c'est pas logique, Miss. Il y avait peut-être de la lumière ou l'écran qui était mauvais, je sais pas. Mais nous on a vu tous mes vernis verts ensemble. À aucun moment tu m'as dit celui-là il est orange. Hein. Il y a peut-être un souci au niveau des écrans et de tes yeux peut-être.
Mais niveau de tes yeux eux-mêmes, non, tu vois les bonnes couleurs, hein, en vrai. Il y a peut-être des petites variantes, mais ça, on a tous des variantes entre nous. Mais c'est pas possible. À part un écran qui déconne et ou la lumière extérieure, je sais pas, parce que bon, il suffit que ton écran soit mal paramétré et tu vois de la merde, mais non. C'est pas possible, hein. Le daltonisme, ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, je crois pas. Ou alors, faudrait un choc, peut-être. Je sais pas, Didi, tu t'y connais en daltonisme puisque tu l'es ou tu connais juste pour toi? Ça se trouve, j'ai dit de la merde, hein. C'est probable. Y a pas une meuf qui fait rien? Toi, tu fais rien. Va faire la cousine. Quand une femme fait autre chose que la cousine, y a des ordres. Pourquoi t'es triste? Ah, jour horrible. Oh là là. Allez, vous allez jouer avec eux, avec ton frère. Avec Martin. Il faut faire des formes avec Bigfoot. Qu'il arrête de chialer ce sale mioche. J'ai envie de le tuer! J'ai envie de le tuer! Ouais, bah, contrôle, hein. J'ai envie de le Ah non, mais j'arrête pas, hein. Il va finir en escalope à la broche. Il nous fait chier ce sale petit con de merde. J'en ai ralfiac. J'en ai ralfiac. De Bigfoot qui fait n'importe quoi. Il veut pas dormir. Il veut pas manger. Il veut rien faire et il pique tout le temps des crises. Pardon Didi, c'est pas drôle, mais du coup tu m'étonnes que c'était compliqué. Oh mon pauvre. J'ai un pote qui voit pas le vert non plus. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Il voit pas le vert et moi comme une conne j'ai fait la super question. Mais comment tu fais alors avec ta voiture quand le feu est vert? Il m'a regardé, il m'a dit bah ça change de place. Ben oui. Question con. Des fois, on réfléchit pas avant de poser une question. Ah bah c'est super intéressant ça, mamie, merci. Tu le savais ou t'as fait une petite recherche, Vitef? Donc on peut devenir daltonien, bah c'est intéressant. Putain, vraiment être, on peut vraiment tout choper quoi. On peut jamais être tranquille, hein. Ah, j'ai une autre chanson pour vous si vous voulez. Un pou, une puce, assis sur un tabouret, jouez aux cartes, la puce perdait. La puce en colère attrapa le pou, le jeta par terre, lui tordit le cou. Madame la puce, qu'avez-vous fait là? J'ai commis un crime, un assassinat. Quoi, on est sur les Sims? Oh non, pas de chanson. Mais tu m'emmerdes, presque, je fais ce que je veux sur mon live, si t'es pas contente, tu dégages! Elle va pas nous faire chier, celle-ci! Oh, incroyable! Si je veux chanter, je chante! Si je veux crier, je crie! Bah, très bien, bah, je ne parle plus. Voilà. Quand vous voudrez que je reparle, eh ben, vous supplierez Brest de s'excuser.
putain, je fais chier. Bah bien sûr que je souris, ça me fait trop rire. C'est bon, Brest, tu t'es calmé? Je peux reprendre mon live tranquille ou tu vas encore dire un truc? Encore la chanson avec la puce. En plus, c'était un de mes anciens potes qui me l'a apprise. Et j'étais trop amoureuse de lui. Et en fait, il était gay. Voilà. Et j'ai aussi été amoureuse d'un autre pote. Et en fait, il était gay aussi. Oh, t'es Karine le Marchand. Mais non, mais je l'ai appris plus tard en plus, genre beaucoup, beaucoup plus tard. Attends, tu m'as fait des excuses juste parce que t'as peur de mamie? Donc c'était pas sincère? Et ben je me retais. Honteux. Voilà, vous saignez aux quatre veines pour faire un challenge de merde pour faire plaisir à vos abonnés. Et pour tout, on se tape ça là. Des gens qui sont pas contents parce que j'anime mon live. C'est honteux. Oh. Ah la vieille, attends, chat noir, j'en peux plus. Mais putain, ils ont pas tout bouffé, les cons. Bon bah toi, va manger. Et ils ont lavé le trou du coup pas là? Ils ont pas lavé? Ils l'ont? Si, ils l'ont lavé, il a l'air propre. Non, ils l'ont pas lavé, il pue. Mais tu sais, quand tu dis des trucs comme ah, les gens vont me frapper si je m'excuse pas ou machin me fait peur, ça fait vraiment je m'excuse pour ça et pas parce que déjà on s'excuse pas soi-même, mais ça c'était un détail, et pas que t'es sincère en fait. Pourquoi ils prennent pas le bain? Ça commence à me courir le pompon. Mets-le dans le bain et noie-le. Pour une fois que je veux prendre soin des petits. Arrête de chialer. Va laver ton frère parce que là ça me casse les couilles. Eh mais, ah, je crois qu'en fait je lui avais dit de faire Bigfoot. Il est triste. Et regardez, il est dans son lit, il dort même pas. Le bordel est buggé. En plus d'être chiant, il est buggé. Il faut la réflexion. Eh ben, on va lui apprendre la réflexion. De toute façon, il doit avoir deux cuisses, ce sale petit con. Hop.
Bon, je crois que les gens revoient. Tu arrêtes de t'occuper de ce gosse. Merci. Les gens revoulaient la chanson de la puce. J'attends parce qu'il y a un petit décalage. Il est pas content, Julien. Ben, il nous emmerde, Julien. Allez, va mettre Julien au lit parce que de toute façon... Il a fini, donc enfin il est tout bon. Julien, lui. Un pou, une puce, assis sur un tabouret, jouez aux cartes, la puce se perdait. La puce en colère attrapa le pou, le jeta par terre, lui tordit le cou. Madame la puce, qu'avez-vous fait là? J'ai commis un crime, un assassinat. Quel connasse, et puis elle en rigole, hein. Je vous jure. Voilà. Mais Bigfoot, tu dis que tu es fatigué et que tu es épuisé. Mais dès que je te mets au lit, tu ne veux pas te coucher. Donc au bout d'un moment, tu vas arrêter de nous les briser. Et tu vas fermer ta gueule, en fait. Toi, tu vas refaire à manger. Il y a trop de trucs. C'est chiant. Honteux. C'est honteux. Bon, je n'avance pas et ça me frustre. Je n'avance pas. Et ça va, Kyo, je l'ai bien chanté. Oula, Golden nous a inondé de vidéos de cash. Mais j'ai pas le temps, Golden, je suis en live. Ah bah bravo, la tartine, on dirait moi qui cuisine. Ça déborde de l'assiette, tu remets discretos dans l'assiette. Genre, ah bah c'est bon, hein, c'était propre. Venez manger chez moi. C'est très bon. Non, laisse cet enfant. Laisse ce putain de gosse de merde. Qui c'est qui chiale encore? Putain de Bigfoot. Vous savez, des fois, j'ai envie d'installer le mode juste pour faire cuire ce gosse sur un grill et après le manger. J'ai même pas réussi à lui monter la réflexion, quoi. Tellement il est chiant. Il est chiant, les gars. J'ai jamais eu un bambin aussi casse-couille. Et j'en ai dompté du bambin. Je vous rappelle que j'ai fait un 100 bébés challenge que j'ai dû finir à 101 ou 102 bébés. Mais depuis la mage des nourrissons et le pack grandir ensemble, c'est une purge. C'est une purge. Clamons Bigfoot. Ah bah, niveau roi des chieurs, ouais, on peut l'accueillir. Il va aller s'évanouir. C'est la colère. Si je pouvais fumer des joues, je fumerais comme un dragon. J'en ai ras la margoulette de Bigfoot. Il me casse les roupettes. Bigfoot, Bigfoot, quand vas-tu te casser? Bigfoot, Bigfoot,
quand vas-tu faire ce que je dis? J'en veux plus! Ah, ah ouais, non, mais Martin et Désiré à côté. Ouais, c'est pas comparable! T'as l'ange et le démon! Et les triplettes, ça va très bien aussi, quoi. Enfin, bon, au bout d'un moment... Bigfoot, Bigfoot, quand est-ce que tu vas arrêter de nous faire chier? Non, si, c'est bon, c'est ton lit. Bigfoot, Bigfoot, c'est bien, je me mets des airs moi-même dans la tête. Vous me croyez bleu bleu. Après, bah, vous allez vous coucher, mes petits gars. Parce que vous avez tout bien fait. Vous êtes des petits amours. Contrairement à d'autres. Bigfoot, Bigfoot. Oh, 2000 balles. Allez. Bigfoot, Bigfoot. C'est bientôt l'anniversaire de Julien. Ben ouais, j'aimerais bien le foutre dans le barbecue. Il mériterait, hein, parce que comment il est chiant. Mais bon, je n'ai pas ce mode. Je suis même pas sûre qu'il l'ait fait sur les Sims 4. Bigfoot. J'ai le week-end, mais c'est pas trop le sujet, là. Bigfoot. Il a pas intérêt d'être aussi chiant enfant. Mais une fois qu'ils ont passé le stade enfant, il n'y a plus de problème. Regardez Désiré qui débarrasse son assiette. Mais quel petit amour cet enfant. Il fait sa petite vaisselle. Oh là là. Ouais, dans les Sims 2 ou 3, il y avait un mode pour mettre le bébé au grill. Je ne l'ai pas utilisé, je l'ai su que plus tard. Moi, les seuls modes que j'avais, c'était pour avoir des poneys. Alors bon... Bigfoot, Bigfoot, tu me fais chier, Bigfoot. Qu'est-ce qu'elle a? Bombe de tristesse. Bon, on s'en fout. Sois triste et ferme ta gueule, en fait. Tu es triste? Arrête! Donc ça, c'était au babac, hein, parce que tout le monde le cite. Enfin, tout le monde le... Ouais, tout le monde le paraphrase, mais personne le cite. Don't... Désiré du slip, c'est un bon... Ouais. C'est parce qu'il est gay. On avait dit qu'il serait gay. C'est Karine le Marchand qui l'a dit. C'est pas moi. Toi, t'es gay ou pas? Je suis désolée, je me répète beaucoup sur ce même, mais ça me fait tellement rire. Allez! Tout le monde avec moi dans le chat. Bigfoot! Bigfoot! Tu nous fais vraiment chier. Allez, je vais voir tous, tout le monde, dans les paroles, là. Ça ne veut rien dire, ma phrase, mais vous avez compris. Bigfoot, Bigfoot. Mais Désiré et Martin sont les enfants parfaits. Voilà. C'est génial. Bigfoot, Bigfoot. Ah, putain, ce connard de Bigfoot. Arrête d'aller vers lui, c'est ce qu'il veut, il veut de l'attention, il n'en aura pas. Il nous a tellement emmerdés qu'il aura même pas le droit à son petit bain de félicitations d'avoir accompli toutes ses compétences. Voilà. Voilà. Chez. Julien, lui, il s'est fait laver le cucu, hein. On lui a même fait un bisou et une histoire pour s'endormir. Et bah lui, que dalle. Ça y est. Bigfoot va pouvoir grandir. Je vérifie quand même qu'on a bien tout. Oui. Attends. C'est bon. Et... Allez, on va vite sortir le gâteau. Arrête de peindre. Et on va lui faire souffler ses bougies à ce sale petit merdeux. Bigfoot, il n'y a plus de gâteau. Il n'y a plus de gâteau! Ah, ça devait être le gâteau qui était périmé.
Bigfoot, Bigfoot. Il nous fait vraiment chier. Bigfoot, Bigfoot. Avec sa gueule de schnouf. Ça ne rime pas. Il faut un truc qui rime en août. Mais ça va être compliqué, je pense, à trouver. Bigfoot, Bigfoot. Ah, peut-être qu'il peut faire une sieste ici. Regardez cette petite vermine qui dort sur le canapé. Mammouth. Broute, moumouth. Non, pas sur le physique, les gars. On ne critique que son caractère. Croûte. Bigfoot, Bigfoot, tu es une vieille croûte. Ah, vous savez que Georgia est une artiste. On peut dire que Bigfoot est sa plus mauvaise toile. N'est-ce pas? Ah, c'est bien ça, Oscar! Bigfoot, Bigfoot, tu finiras en pâté en croûte. Mon Dieu. C'est parfait. C'est parfait. Alors, aider à souffler les bougies. Bigfoot. Bon, ça suffit. J'en peux plus de moi. Réveille-toi, saloperie. Viens, mon petit Julien. Regarde, lui, il est tout propre, il est tout cool. Il est tout propre, tout content, tout propre, tout content, parce qu'il a été gentil. Pendant que l'autre nous casse les burnes, pendant que l'autre nous casse les burnes. Soigné. Bigfoot va être soigné. Eh ben, première nouvelle, vu comment il nous fait chier. Connard. Maintenant, espèce de gens guérants de merde, de cul, de pâté en croûte. Bah tu vas aller prendre une douche parce que tu schlingues. Hein, maintenant que t'es autonome. Oui, bah sois en colère, tiens. Tu ne seras jamais autant que moi, sale petit ingrat. Bigfoot va être parfait. Bigfoot, Bigfoot. C'est insupportable cette chanson, vous aimez? À part Braise qui n'aime rien, on se demande pourquoi elle est là. Les autres, ceux qui ont des sentiments. C'est pas des sentiments, c'est pas le mot que je voulais. D'autres opinions. Insupportable. J'aime. Oh oui, vous avez vraiment des goûts chelous, les gars. Mais bon, on a la communauté qu'on mérite, il paraît. Bigfoot, tu vas aller te coucher. Bigfoot, c'est bon. On va faire souffler les bougies à Julien maintenant. Julien, Julien. Tu dis ça, Braise, mais. Si tu n'aimais pas, tu ne serais pas là. Depuis 2016! Ah bah évidemment, la coupe au bol pour Bigfoot, mais tout au long de sa vie. Jusqu'à sa mort. Ah, encore? On a déjà un qui aime la musique amicale. Allez, hop. On s'en branle. Et lui, il va bien? Qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Bon bah écoute, pourquoi pas, hein. Oh mon Dieu, mais la gueule. La gueule du gajo, oh, la gueule du gajo. La gueule du gajo, oh, la gueule du gajo. Bon, on va pas les relooker, hein. Vous voulez qu'on les relook? J'ai la flemme. Ah, mais l'autre, il est pas content, là. Il nous fait chier. Bigfoot, il est bugué dans la douche. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon, t'es propre, va te coucher, arrête de nous faire chier. Mais je suis pas content. Pas content. Je m'appelle Bigfoot et je suis pas content.
Je fais chier les gens dans la vie. Ça nique. Ça fait vibrer la gorge et du coup ça gratte après. Je m'appelle Bigfoot. Oh mon dieu, c'est de pire en pire. Allez, tout le monde au lit, tout le monde au lit, tout le monde au lit, tout le monde au lit. Ça va encore se réveiller. Oh putain, attendez, j'ai pas mis de lampe de couille là, de machin de merde. Ils vont encore faire nia nia, le monstre sous le lit, waouh waouh. Ils vont encore nous faire chier quoi. Surtout Bigfoot, Bigfoot. Vivement lundi, en vrai bah, je vais m'occuper que de Bigfoot et de Julien parce que les autres ils ont déjà tout à fond, ils ont fait leurs devoirs et tout, donc je vais pas perdre plus de temps avec eux. Voilà, tu vas aller faire ta vie toi. Déjà prendre une douche parce que vous puez, madame. Par contre, il est 5h, tu pourrais redormir un peu le dimanche matin. Ah bah, visiblement, non. Journée des farces. Je m'en calisse le coquillard. Bigfoot, Bigfoot. Bon. Qu'est-ce que c'est? Jouer. Ok. Prévois des tenues. Je veux juste lui mettre sa putain de coupe au bol à ce chien de Bigfoot. La coupe au bol, elle est où? La coupe au bol de Bigfoot. La coupe au bol de Bigfoot. Bah, y'a là. Elle est encore plus moche que l'autre. Mais ça va pas, c'est pas assez rasé sur le côté. Mais il y en a une autre, non? Il n'y en a plus? Oh, oh non. Ça se trouve, il n'y a plus la coupe au bol, les gars. Mais comment on va faire? Comment on va faire s'il n'y a plus la coupe au bol? Oh! Bon, bah, on va lui mettre ça, hein. Ah non, je suis trop déçue. Mais les Sims, remettez la coupe au bol. La coupe au bol de Bigfoot. Voilà. Rasta blanc. Rasta blanc, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, rasta vert, du coup. Rasta queer. C'est pas raciste, hein, Rastaquer comme terme, je suis pas sûre. Je veux pas dire de conneries. Ça vient d'où, Rastaquer? Quelle horreur. Attendez, on va mettre l'horrible coupe mulet à Bigfoot. Mais oui. Mais bien sûr qu'on va lui mettre cette coupe. Bien sûr qu'on va lui mettre cette horreur. Attendez, là, on a quelque chose. Oh, il est parfait. Il est parfait. Perfect man. Perfect children. Magnifique. Magnifique, ma chérie. La coupe mulet pour Bigfoot. Oh. Parfait. Perfect.
Rastaquaire péjoratif, vieilli, étranger aux allures, voyante, affichant une richesse suspecte. Pas trop compris, mais en gros c'est péjoratif, donc on va éviter de l'employer. Il semblait bien que c'était péjoratif, mais j'étais pas sûre. Bon, maintenant nous sachons, nous ne le ferons plus. Merci, Brézou. Les chaussons lapins, les chaussons lapins, les chaussons, son, la 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 la, pin pin. La 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 la. Supportable. La meuf est chiante. Je sais pas comment vous faites. Hein. Est-ce que ça vous donne de l'énergie, de m'entendre énergique, ou est-ce que c'est juste que vous êtes en mode. Eh. En fait, j'aimerais bien. Je sais que c'est pas possible. Mais j'aimerais bien savoir quelle réaction, enfin dans quel état émotionnel vous êtes quand vous regardez mes lives. Voilà. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez. Mais sincèrement, hein, sans troll, Brézou, parce que je sais qu'on se charrie là pour le troll. Mais si vous voulez répondre, vous pouvez. Si vous ne voulez pas répondre, vous n'êtes pas obligé. Mais ça m'intéresse. Voilà. C'est tout. On peut retourner dire de la merde. Je suis pissenlit. C'est-à-dire. Un personnage exotique étalant un luxe suspect et de mauvais goût. D'accord. Ouais, ok, ok, j'ai compris. C'est de la merde. On n'utilisera plus jamais ce terme. Bien. Tripna. Ça peut arriver que ça ennuie après un live, ça peut pas toujours être à fond, parce que ça fatigue, je ris. Et ben, ben c'est cool, tant mieux si vous riez, c'est le but. Après je fais pas exprès de dire des conneries, je veux dire, en fait, avant les lives, je pose mon cerveau et je réfléchis pas. Donc quand c'est comme ça, j'ai tendance à débiter plus de conneries à la seconde que je ne réfléchis. Ouais, ça dépend du live. Il y a des moments où je suis un peu plus posée aussi, parce que comme j'ai dit, on peut pas toujours être à fond. Mais le principal, c'est que vous passiez un bon moment, et moi aussi. À partir de ce moment, bah, tout le monde est content et c'est cool. C'est cool, quoi. C'est cool, hein. Bon, on va se faire des petites farces entre sœurs, parce qu'on est trop drôles. Des petites farces. Oh là là. Et salut, on va jouer un tour avec la main vibrante parce qu'on fait des petites farces. La fée des dents. Bah oui. Il m'a vraiment entaillé le doigt, ce petit bibou. Hein. Là, vous ne voyez rien. Petit boubou. Ça dépend le jeu aussi, je pense. Les Sims, je peux me permettre de dire de la merde et de faire un peu n'importe quoi. Parce que c'est un jeu que je maîtrise. Un jeu que je connais pas, comme Norgard la dernière fois. Ou un jeu où il faut être sérieux, comme Life is Strange ou Heavy Rain qu'on va faire plus tard. Je vais pas m'amuser à faire de l'humour toutes les deux secondes et à chanter. Et à... Enfin, bref, c'est normal. Ça dépend du jeu. De l'ambiance. Mais c'est pas parce qu'on fait pas le foufou que ça ne peut pas être bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ben c'est normal, la base de ma communauté est basée sur les Sims, donc c'est normal que quand je fais des Sims, ça vous intéresse plus. Et je suis quand même contente que quelques-uns d'entre vous soient restés malgré que je fasse moins de... Bien que je fasse moins de Sims. C'est gentil. La fée des dents. C'est Fridon. Allez là, faites-vous des farces, hein, parce que c'est drôle les farces. Non, pas du tout. C'est de la merde les farces. C'est de la merde les farces.
Ça dépend quelle farce. Martin, une dent qui bouge. Martin, t'as une dent qui bouge. Eh ben, c'est bien, Martin. Tiens, on va se faire des farces entre jumeaux. Effrayé, ça c'est méchant par exemple. Moi je rigole pas, hein. Vous me faites peur, je vous en fous une. Bah, vous êtes là pour moi, oui et non, hein. Je veux dire, si mon contenu vous plaît pas. Enfin, toi t'es mon ami donc c'est pas pareil. Mais je parle des abonnés qui sont juste là pour voir un contenu qui leur plaît. Avec tous les contenus qu'il y a maintenant disponibles, si ça vous plaît pas, c'est normal que vous partiez. Et il y en a plein qui sont partis, hein, parce que je faisais plus rien ou que je faisais plus de Sims. Vous n'êtes pas énormément à être restés, mais ceux qui sont restés, bah, je vous remercie. Voilà. Il faut bien remercier un peu les gens de temps en temps. Ça non plus, ça doit pas être terrible. Hein. La fête est dedans. C'est frayant. Qu'est-ce qu'il a pas mangé son plat là? Merci moi et vous. Fidèle au poste. Des cœurs dans le chat s'il vous plaît. Spammez les cœurs pour qu'il y en ait plein sur l'écran. Je vous invite à copier-coller comme ça. Voilà. C'est vrai, le honteux, ce n'est pas un cœur. Et j'ai mis tous les cœurs arc-en-ciel dans mes smileys que vous pouvez avoir. Je crois qu'il en manque, mais bon, c'est pas grave, il y en a quand même pas mal. Voilà, c'est trop beau. Ouais. Ouais, les cœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça fait la musique comme si c'était passé un truc? Le festival des enfants, c'est-à-dire qu'on s'en branle en fait, hein. Allez, Bigfoot, debout. Bon, alors attends. Mais il était content ou il s'énervait, lui? Piquer une crise? Bah non, mais tu piques plus de crise, Désiré, enfin. T'es un enfant, maintenant. On fait pas de crise quand on est enfant. On fait des crises quand on est tout petit. Mais on fait pas de crise quand on est enfant. On a appris à parler. On s'exprime avec des mots. C'est beau, vos cœurs. Merci beaucoup. On exprime son mal-être avec des mots. Désiré. Pas avec des... Ça, c'était bien quand tu savais pas parler. Bon, techniquement, je lui ai pas appris à parler, mais ça... Bon. Hein? Ça va, hein? Arrêtez de juger. La fête est dans... Qu'est-ce qu'elle a? Crise émotionnelle. Chiant. Bon. Les devoirs de Bigfoot. Et de Julien. La 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 la. Non mais tu peux continuer à faire la vaisselle par contre, Jean-Micheline là. Ils sont tous en crise, hein, n'importe quoi. C'est bon là, tu peux faire de la peinture. Bah tu vas aller faire de la peinture. Qu'est-ce qui marche plus? Le live marche plus? Si? Mais pourquoi il me dit que ça marche plus, Oscar?
Oscar, faut arrêter de faire peur comme ça, hein. Remis sous. Et bonne nuit si jamais tu t'endors avant la fin. Vous avez bien fait... ouais, c'est bon. Les compétences, elles en sont où, les gars? 4. Ok, bon, c'est bon. Qui c'est qui a pas bouffé, là? Bon, déjà ça, c'est fini. Hop. Bon. Les triplettes, c'est bon. T'iras te laver, toi, Starla, parce que bon... Les jumeaux, c'est bon. Et on va s'occuper de ces deux-là. Ok. Quand il a besoin d'aller aux toilettes. Et toi, tu vas aller jouer? Faut qu'il soit level 4 à jouer. C'est pas net, Baptiste. Les cœurs, ça fait deux fois que je change les maîtres, mais ça... Ah bon? Bah, reteste ou actualise peut-être. Voilà. Merci, je suis très nette. Non, Désiré, Désiré, si tu veux faire un truc, tu vas jouer avec, avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? Ok, je m'en fous. Je m'en fous, PTDR, j'ai pas lu. Non mais c'est bon, te lave pas les mains, Bigfoot, de toute façon. Voilà quoi, ça sauvera pas le reste. Hein. Ça ne sauvera pas le reste. Il est beau, hein. Ils sont beaux les cœurs, en vrai. Vous voulez que je les ajoute sur le Discord ou pas? Ok, bah je les ajouterai. Voilà, ça va monter, et ils pourront vite grandir. Parce que j'ai étrangement hâte qu'ils se barrent, dis donc. Quand même vérifier que tout le monde ait fait ses devoirs. C'est bon, on s'en fout. On va me faire chier longtemps. Hey, on vend des trucs de plus en plus chers, hein. Ça c'est cool, hein. Non mais continue de jouer, trou de balle. Tu dois augmenter ta compétence à 4. Donc lui il en est à 3 et lui 3 aussi, ok. Bon, ils ont pas beaucoup d'écart, hein. C'est très bien. Ok, bah je mettrai les smileys. Il est possible que j'oublie entre deux, mais n'hésitez pas à me le rappeler. Mais putain de Bigfoot! Même enfant, il me fait chier. Je te dis de jouer à la poupée, tu vas jouer à la poupée. Putain, Martin et Julien, best pot ever, hein. Il est reparti.
Je vais l'enculer. Je vais l'enculer avec un cerf-volant. Quand il sera adulte et qu'on s'entend. Excusez-moi, ça m'a saoulé. Merci, Braise. On va sauvegarder, tiens. Parce que j'ai pas envie de me les recoltiner bambin si jamais il y a un bug. On va sauvegarder, puis je vais redésactiver l'autonomie parce que c'est la foire à la saucisse. Saucisse. Retourne faire une toile, tu n'es bonne qu'à ça. Ouais, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Ah, c'est des écouteurs. Merde. Bon, c'est pas grave. Hop. Charnouf. Gurup. You threw ya. Pomeray e boy. Ils en sont où? Les petits. Bientôt. Ok, Bigfoot. Bigfoot, c'est bon. On peut pas commander genre plein de repas préfaits là. Se mettait un film tous ensemble. Mais faut que Désiré arrête de jouer à Mario Kart. Hein, Désiré? C'est chiant là. Qui c'est qui joue? Pourquoi c'est bugué? Voilà, t'as arrêté de me faire chier maintenant. On va regarder le retour du chien perdu. Voilà. Personne ne vient, c'est super. Heureusement que je les ai tous sélectionnés, hein. Bon, et Julien, il en est où dans ses compétences, là? Ok, bah tu retournes jouer à la poupée, Julien, s'il te plaît. Je reste encore longtemps en live, je sais pas, il est quelle heure? J'allais dire jusqu'à 23h, mais il est 58, donc... Bah, en fait, j'aimerais bien au moins que les triplettes grandissent, qu'on puisse la refaire niquer. Parce que bon... Là, il s'est rien passé, en fait, pendant le live. C'est un peu nul. Peut-être jusqu'à 30. Hop. Bon, allez. Du coup, on va aller se coucher, les gars. Waouh, la belle carotte! Et comme ils iront tous à l'école, on ira draguer un mec, je pense. Voilà. On va faire ça. Quand ils seront tous à l'école demain. Ça passe très lentement. Beaucoup trop lentement. C'est chiant! Désiré, tu pues.
Mais vous puez, Désiré ! Que s'est-il passé ? Mais enfin... J'ai pourtant le parrain de ton fils. Hein. Pardon. Je me fatigue. C'est pourtant moi le parrain de ton fils. Mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'ai dit d'aller dans la douche. Il est con, lui. Désiré, vous faites des bêtises. Bon, enfin... C'est quand même moi le parrain de ton fils. Hein. Pourquoi il y a des bruits là, comme ça, comme s'il se passait un truc alors qu'il se passe R? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, ok, ça c'était en panne. Bon bah voilà, c'est bon, c'est plus en panne, on l'a changé. Ce smiley. Et on va cuisiner. Cuisine. Je fais sa vie. Non mais c'est ça. Bon, les gamins, ils vont bientôt partir à l'école, donc ils vont attendre d'être à l'école pour manger, hein, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ok, j'ai pas compris. Il y a eu un moment gênant, mais je vois pas quoi. Oula, pourquoi tout le monde est dans le rouge? Oh, ils ont juste faim, bah on s'en fout alors. Je fais des économies. Exactement. On va tous les envoyer dehors. Comme ça, ils vont pas pourrir l'électricité. Allez, au revoir maman. Au revoir maman. Oui, au revoir mes chéris. Cassez-vous. Et surtout, ne revenez jamais. Jamais. Pas possible. Bon, on a tué l'écologie juste en faisant cette mouflée, hein, là. Et surtout, ne revenez jamais. Comment Ruru fait pour pas juste venir et m'envoyer une pantoufle dans la tête, parce que franchement un jour je vais me prendre une pantoufle dans la gueule, je vais rien comprendre. Vous allez voir en live, punk, un chausson poisson dans la tronche. Allez tout le monde à l'école, tout le monde à l'école, tout le monde à l'école. J'ai cru qu'elle partait pas à l'autre. Tout le monde à l'école. Ouais, ouais, ouais. Oh, enfin, un peu de calme dans cette baraque. Bon, allez, on se casse. On va pécho. Wouh, je lance la canne à pêche. C'est un mime mauvais. Bon débarras, exactement. Groupe 1, ici, on n'avait pas fini, hein. On n'avait pas fini de voir tout ce beau monde, là. On en avait vu que 3 sur 7, 6, 8. 8, 3 sur 8. On avait vu, opposition. Prince Jackie, le sac plastique, et Flocon. Ah, ben regardez, il y a Maître Renard, Riton la fouine, le chevalier d'Oz. Et Yann Roussel, on chope qui? Entre Chevalier, Raton la fouine et Yann.
voter et éliminer le gagnant, du coup. La fouine, chevalier, ok. Qui d'autre? La la la, en attendant, on va juste papoter avec. Hein. La fouine! Ok, bon, bah c'est parti pour la fouine! Riton la fouine! Ça me tue de rire le nom. C'est Riton la fouine! Soul Soul, ouais, c'est ça, ouais. Soul Soul, ouais. Bonjour Yann! Bonjour Chevalier d'Oz! Bonjour Riton la fouine! Comment allez-vous, très cher Riton? Ouh! Mes enfants sont à l'école et j'ai enfin eu le temps de me raser après 10 ans! C'est important de se raser, mais il y en a qui ne le font pas. Genre moi, je ne le fais pas. Mais il y en a qui aiment se raser pour le plaisir de se raser. Alors voilà, elle fait partie des gens qui aiment se raser quand ils ont le temps. Parce que là, elle n'a pas trop le temps, la pauvre vieille. Hein. Monsieur Riton, comment allez-vous? Oh, elle est confiante. On va faire la technique de drague osée. Ah non, mais casse-toi, toi, Flocon. Ta gueule, Flocon. Ah, il est jaloux. Chez, on n'est pas en couple. T'as pas le droit de me faire une crise de jalousie. Puis même si on était en couple, en fait. La jalousie, c'est de la merde. Bon, techniquement, t'es pas censé aller voir ailleurs. Bon, ça dépend des couples, on va pas avoir ce débat non plus. J'ai pas envie de débattre ce soir, voilà. Tu veux mon zizi? Ouais, 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 ouais. Je vais te le donner. Ouais, 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 ouais. Quelle insanité. Oh! Non, mais on a vu son visage! Il avait l'air beau! Je veux des moches! Faites-moi des laidrons! Oh! Arrêtez de me faire des beaux! C'est insupportable! Bon, de toute façon, vous avez choisi Riton la fouine, ce sera Riton la fouine. Ah, un sup. C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais. Rrr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 
Ah, mes crottes. Foutez-moi la paix, les mouflés. Vous me faites trop chier, les mouflés. 15 000 fois par jour, il y a un chat. Bah oui. Bah alors. Je pense que vous le verrez pas avec la... Non, vous le verrez pas. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire caca dans le carton ou tu te réveilles? Oh mon pépère. Oh là là, t'es bien. Viens. Viens. C'est quand tu veux, hein. Le gros, il va passer de l'autre côté. Il va arriver. Le gros chat. Ben oui, le voilà. Bonjour, mon chat. Enfin, bonjour, je l'ai déjà vu, mais... Alors, comment ça va? Vous allez bien? Mon gros chaton. Mon gros hydromel qui perd ses poils. Bah oui. Bah oui. Bon, par contre, je vois plus rien là. Bah oui. Ton cul dans le micro. Je love de Bigfoot, il m'a séduite. Bah, c'est pas toi qui te le coltine, hein. Parce que moi, ras la margoulette. Hein. Hydromel, ton cul sur mon clavier. Viens là. Cette tronche. Oh mon chat blasé. Oh mon chat blasé. Alors, on va aller faire une autre toile, tiens. Écoutez, tant qu'on peut gagner de la thune, hein, go. Hein. C'est un gros chat, ça. Oh, c'est gros chat. Bah oui. Il est malheureux. C'est le plus beau avec Bibou et Ecstasy. Bah oui. Oh là là, revoilà toute la clique. Ah oh, putain, on s'en fout des projets scolaires. Alors, elle a un A. Elle a un A. Elle se barre. Ensuite, il a un A. Il a un A. Ok. Zébardi. Sortez le gâteau. Les mains en l'air. Je veux voir tout le monde les mains en l'air. Les mains en l'air. Zébardi. C'est parti, je veux voir tout le monde les mains en l'air. Je fais bien la voix de forain ou pas? Ouf, t'as baillé? C'était pas ouf le retour d'haleine, mon chat. Ça va dégager. Le combo. Bah toi tu vas aller juste vivre dans la nature en fait, genre très 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 loin. Hein. Ok. Allez, remets les bougies. Merci. Suivante. Elle aime les animaux. Et ben, il n'y a pas via la ferme, je sais plus moi. Si, voilà. Suivante.
Bravo les triplettes, vous allez dégager. Bravo les triplettes, vous allez dégager. À la plage, on avait dit. Hop. Et. Alors, voyons voir leur tête. Ouais, bon, là, tu fais une gueule pas possible. Bon, ça va, ça va. Oh, elle a le visage très allongé, hein. Bon, ça va. Ça va, c'est pas non plus une horreur, on va pas... Ouais, elles ont le visage un peu allongé, mais ça va, c'est correct. Elles sont pas si mal. Ouais, ça y est, Martin va devenir ado. Hop. Ah, il est crasseux, Martin, c'est vrai. J'avais oublié. Oh putain. Ça va, hein, il est pas trop moche. Enfin, il a pas l'air trop moche. Désiré, c'est à toi, mon chou. Bravo! Bravo! Oh, il est délicat. Je ne ferai pas la blague. Mais je l'ai pensé très fort. Namasté. Alors, voyons voir. Ouvre les yeux! Ouvre les yeux mieux! Oh la gueule! Ouais, ça va. Ça va, il est pas foufou, hein, ça va. Martin, par contre, ça a l'air pas mal, hein. Crasseux. Bon, bah on va faire dégager les filles, hein. Pardon, Ruru. Et on va Ken. On va Ken. On va Ken sale. Parce que là, je peux te dire, Georgia, ça fait un moment qu'elle a pas vu le loup. Hein. Là, il est temps de faire grincer l'oreiller. Hein. Oui, l'oreiller, oui. Ça vous pose un problème. Bah non, on va pas mettre Georgia, suis-je bête? Voilà. On va être sympa, on va leur donner 500 balles. 700, voilà. Allez, cassez-vous. Ah! Et maintenant, on va appeler... On va appeler... J'attends la réponse dans le chat. On va appeler... Je sais. La fouine, Riton, exactement. Riton, la fouine. Oh, on va payer les factures, surtout. Allez, go. Let it go. Let it go, c'est bon, elle se barre, les greluches. Au revoir, mesdames, bonne vie, bonne continuation. Adios, amigos. Riton, la fouine. Viens donc ici que je te... Bref. Riton va arriver et le voilà. Le voilà, le voilà. Oh, oh là qui voilà, c'est le petit Riton. On va le cancel. Oh, oh. On va ken. C'est pas trop tôt. Ça fait longtemps qu'elle s'est pas dégourdie le poireau. Même si elle en a pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas cueilli des cerises. Yes. Allez, allez, embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous.
Voilà, c'est bon. Ils sont embrassés. Maintenant, le bébé. Quoi? Le bébé. Le bébé. Riton. Riton, tu te fais un petit peu désirer. Hein, ça va aller, quoi. Ça y est, ils sont jouleurs. Mais pourquoi je peux pas le ken? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Faut qu'on soit plus amis. Mais on n'a pas que ça à foutre d'être potes. Chiant. Qui veut être pote? On veut juste ken, nous. Oh, grosse moi, Riton. La fouine. La fouine. Il est temps d'aller fouiner, la fouine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, mes petits enfants. Hop. Riton la fouine. Riton la fouine. Mais qu'est-ce qui... mais enfin. Mais Martin. Mais Martin, faut aller faire pipi. Mais pourquoi il pue encore? Mais c'est incroyable, non? C'est Désiré en plus. Mais Désiré, tu es délicat et tu pues. Bon, pendant ce temps, ça ken. Ça ken sol, ça ken sol, ça ken sol. Ça ken sol, ça ken sol, ça ken sol. Allez, nous, on va faire un test de grossesse. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors? Yes! Au revoir, Riton! Merci d'être venu! C'est bon, on s'en fout. Il a le melon, le Riton. Yes! Donc, vous, vous avez mangé. Très bien. Il faudrait faire le travail supplémentaire, mais ça va leur donner beaucoup de... Ça va leur donner beaucoup d'XP. Si on leur fait faire le devoir, là. Allez, hop, on aide. Ici. Il a bien fait ses devoirs et tout, là. Ah, atteint le niveau 3 dans une compétence. Jeu vidéo. Eh ben, tu vas jouer. Allez. Martin, t'as pas mangé. Alors mon bébé, ça va? Petit bibou. Hop. Donc, on en est où ici? Jeu vidéo, Martin, il a un... Désiré, il a déjà 2. Ok. Vous, vous avez déjà 4 partout, donc c'est bon. Ensuite, bah toi, tu vas aller te coucher. Tu vas aller prendre une douche parce que je sais pas ce que t'as fait. T'as dû te rouler dans le purin, Julien. Ça se passe comment? Pourquoi il est triste? Allez, niveau 2, va te coucher, mon petit Martin. Désiré aussi va aller se coucher. Hop. Madame, aide ton fils là, parce qu'il est en perdition, le truc. Voilà, très bien. Allez, ça dégage. Et nous, on va dormir. Et qui c'est qui a pas mangé encore? Oh!
Bon bah va te coucher du con. Putain, même enfant, il nous fait chier le Bigfoot. Insupportable, insupportable, insupportable. Je voulais que j'aille jusqu'à l'accouchement. On fait ça. Je sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère pas trop. Il est déjà 25. On va jusqu'à l'accouchement et après j'arrête. Vite les toilettes! Vite! Vite les toilettes! Ensuite, vous allez aller jouer tous les deux parce que vraiment le divertissement c'est pas ouf. Hein. Est-ce que eux. Bah non, bah toi tu vas faire du jeu vidéo. Et puis Martin, tu rejoindras la partie comme ça. Ça va augmenter vos compétences. Bon, ils vont bientôt. On court, mais c'est pas grave. Oui, on va jusqu'au bébé. Ok. Allez, à l'école, les enfants. Bigfoot! Va à l'école! Merci! Réviser assidûment, réviser assidûment, réviser assidûment, réviser assidûment. Voilà. Alors, madame. Bah, vous allez aller aux toilettes, hein. Prendre les restes, puis après, bah, elle va peindre, hein, parce qu'en soi, j'ai envie de dire, le temps qu'elle est tranquille, elle a qu'à en profiter pour... Ah, elle est pas bien, évidemment. Quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. M'en fous. Qu'est-ce qu'elle a, nausée matinale? Est-ce que c'est mon problème? Bigfoot a perdu sa dent. Mais comment je m'en branle? Ah, opposition. Zut. Ouais, je suis en accéléré. Oh, 3000! Trop bien. Est-ce que ça vous intéresserait de faire une maison pour le sang bébé ou est-ce que vous en foutez? Après, si vous voulez juste construire, y a Lulabi pour ça, mais... je sais pas. Oh, bibouche d'amour. T'es trop mignon, mon bébé. Bah oui, t'es trop mignon. T'es si mignon, 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 mignon. Quoi? Pourquoi tu peux pas aller à la boîte aux lettres? C'est quoi ton problème, là? Prends le courrier, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, vous prenez le courrier maintenant. Ah. Joria a pris le courrier dans la boîte aux lettres. Il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est connerie. Bah écoutez, si vous voulez faire... Ah. Tiens, mes alertes sont plus connectées à Botrix. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Bah non, mais je veux pas passer premium, moi je n'ai pas envie de payer. Je n'ai pas l'argent, cessez donc. Je sais pas. Bon, essayez d'envoyer des smileys là pour voir s'il vous plaît. Dans le chat. Genre plein.
Ouais, si c'est bon, ça marche toujours. Bon, je sais pas. J'ai pas compris. Allez, au travail, les enfants. On fait les devoirs. On fait les devoirs. Il est trop tendu. Bah, il va pas faire ses devoirs. Attends, 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 attends. Je n'avais pas vu. Ils ont eu un A. Les deux, visiblement. Donc, ça va grandir, ça va dégager. Et plus vite que ça, les mouflets. Hop. Bon bah, il souffle ou il se touche. Vous avez vu les smileys sur l'écran ou pas? Oh putain, il est malveillant. Il a tout pour plaire, ce gosse. Ok, bah alors c'est bon. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi il me dit que j'ai pas d'alerte. Allez. Oh putain, il est trop tendu. Hop. Mais il a changé de coupe. Bon, je le relookerai. Je le relookerai, pardon, hors caméra. Je lui remettrai son beau mulet, vous inquiétez pas. Ou un truc qui ressemble. Mais non, mais tu vas pas être malveillant aussi alors que t'es amical, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Bah non, du coup. Yips. Bah ils sont pas du tout moches. Ils sont mignons. Il est mignon Bigfoot là. Ah, je suis déçue. Je suis déçue. Il n'y a pas de Sims moche pour le moment. Mange jamais une part de gâteau. Mais non, c'est bon, ils ont des pattes. Pas tout à voir. Hein. Manquerait plus que ça. Qui mange du gâteau. Après, ça veut dire qu'il faut refaire un gâteau. C'est une perte de temps. Une perte de temps. Et nous, on n'a pas le temps. Ah, bon, Ruru va aller se coucher. Hein? Ah, ok. Là, c'est bon, ils retombent sur Zelda. Parce qu'il y a un nouveau Zelda qui est... Pourtant, leur père est moche. Bah, écoute, là... ils sont très beaux, quoi. Ils ont tout pris de leur mère. Après, on va voir quand ils seront adultes, mais ça va pas trop, trop changer, hein. C'est la première génération, les gens ont voulu être gentils. C'est ça. Mais après, je compte sur vous pour vraiment me faire des horreurs. Les gens beaux ou des horreurs, mais quand je dis horreur, n'hésitez pas à exagérer avec les traits. Hein. Putain, elle va devenir une star juste en faisant des toiles, elle. C'est n'importe quoi. Oh, regardez ces ados qui jouent aux jeux vidéo. C'est une honte. Oh, Martin, il a bientôt... il a bientôt 3. Hein. Parfait, Martin. Et Désiré... Ah bah Désiré, il a déjà 3. Continue tes devoirs, Désiré. Qui c'est qui appelle? Citation. On s'en fout. Ta gueule. Ta gueule, la sœur, c'est parti. Bon, alors, attends, ils vont pas bien du tout. Hop. Prendre une douche. Toilette. Toilette.
Et puis, les devoirs. Et Martin, toi, tu continues de jouer. Pour avoir le level 3, s'il te plaît. Tu y es presque en plus. Voilà, c'est bon. Je suis rapide. Hop, on aide ses enfants aux devoirs. La 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 la. Ça veut dire que bah, demain ils sont adultes, Martin et Désiré, donc ils vont dégager demain. Alors Désiré, t'as faim, bah tu vas prendre les restes. On sait qu'on doit faire du travail supplémentaire, ça sert à rien, il est déjà là. C'est bon, il va se reposer là, Désiré. Martin aussi, hein. Triste. Mais non, pas triste. Tu vas aller nettoyer, toi. C'est dégueulasse. Tout est dégueulasse ici. Hop. Voilà, bon, on avance très bien. Hein. Très, 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 très bien. Ça, c'est cool. Bah, franchement, les ados et les enfants, ça va super vite. C'est imbusté, quoi. Désiré, tu faisais si souvent la vaisselle, continue, je te prie. Hop. Martin, les toilettes. Et manger, c'est... Mais non, mais c'est pas la bonne personne, je suis con. La douche, Martin. Voilà, bah on est bien là. Ah, c'est beaucoup plus calme quand il n'y a pas de mouflet, hein. Franchement. Tranquille ou pilou, hein. Tranquille le canard. Il est blasé, lui. Il est blasé de la vie. Désiré, c'est un blasé de la life. Bah, tu vas aller coucher, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, arrête de jouer. Même si elle a crevé. Allez, on mange. Ouais, bon, ils sont tous les deux crevés. Allez, hop. Oh, regardez, il fait la vaisselle. Julien du slip. Ça doit être un enfer de dormir avec l'aspirateur qui passe. Hein. Parce que c'est bruyant, mine de rien. Enfin, cela dit, je l'ai déjà fait, donc en fait... Ouais, bon. Alors, elle pond quand son chiard? Ouais, dans longtemps. Bah, je pense que tu peux encore dormir, hein, parce que bon, il est 5 heures. Ok, ça c'est bon. Viens ici. Là, c'est bon. Je pense que je vais leur mettre des meilleurs lits. Je pense pour la prochaine fois, je les relookerai, je vous enverrai des photos de Martin
et les jupes, enfin de tout le monde relooké, parce que je là je vais pas le faire tout de suite. Et je vais un peu, vu qu'on a des sous, je vais en profiter et je vais un peu refaire la maison. Avec du meilleur mobilier quand même, parce que bon. Eh ben, c'est bon. Je sais pas si tout va être beau, mais au moins qu'ils aient des lits confortables, quoi. Allez, cassez-vous, là. Bon, vous pouvez travailler normalement. De toute façon, vous aurez votre A. Et vous, par contre, vous allez travailler dur. Hop, et puis bah, c'est parti. Hein. Hey, on refait des toiles, hein, parce que de toute façon, en attendant, on n'a pas grand-chose à faire. Est-ce qu'il y a des trucs sales? Ou cassés? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Oh! 15 000 notifs, là! Tais-toi, Églantine, tu m'intéresses pas. Hop! Tu es parti maintenant, je m'en fous de ta vie. Non, vous attendez pas à du grand chef-d'œuvre, hein, non plus. Je vais juste... refaire un petit peu. En fait, quand on fait une construction, il faudrait un bouton pour vider la maison, mais que tous les meubles soient mis dans le... dans l'inventaire. Parce que là, si je veux leur changer juste tous les murs, bah, je peux pas, faut que j'enlève tout, enfin, c'est trop chiant. Faut que je fasse tout un par un. Le bébé! Ouais, bon, on n'y est pas encore. M'en fous, Starla, ta vie! C'est bon, pardon, j'ai oublié de te donner des tâches, ma pauvre. Hop. Peut-être un meilleur mobilier pour la salle de bain aussi, parce que bon... Hop, surréaliste. Ça va les gars, vous êtes pas trop crevés? Ah, ça y est, alors. Et voilà. Désiré et Martin ont un A. Ils vont donc s'en aller pour toujours et à jamais. Ils vont pas nous manquer. Un peu. Sûrement plus que Bigfoot. Je vais pas partir avant la fin. Mais tu travailles, non? Non, je crois que t'es en week-end, je sais plus. Oh non, mais le combo de Martin, là. Je voulais lui mettre... j'avais mis un truc. Mais c'est chiant, pourquoi ça enlève alors que j'avais mis un truc? Ouais, bravo, il a eu une mention. Allez, on vend ça. Attends, j'ai fait grandir lequel? J'ai bien fait grandir Martin. Oui, c'est ça. Oh putain, le relou.
Enfant des îles délicats et disciple du recyclage. Le mec qui casse les couilles. Un bobo écolo, quoi. Enfin, bobo, je sais pas, mais... Y a pas un truc écologie là-dedans? Je sais plus, moi. Je sais plus. Si on va lui mettre le... paix intérieure. Voilà. Parfait. Allez, faites vos devoirs, vous. Voilà. Encore un chef-d'œuvre. Ebi. Demain, c'est samedi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est samedi, demain. Non, mais je suis en vrac. Tout à l'heure, je me croyais samedi et je parle comme si demain, on était dimanche. Mais maintenant, je sais pas quel jour je me crois, mais... trop bon de vieillir, hein. En plus, demain, je live, les gars. Je live sur... le ranch de River Truc. River Sale, je crois. River Star. Bref. Je live. 14h ou 14h30. Je sais pas trop. De toute façon, vous aurez la notif, hein. Mais voilà, je live. Viens des nombreux, même si c'est un jeu de poney, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on s'en fout des graines et tout, là. Oh! Pourquoi il y a un loup-garou qui m'appelle? Non. Ça marche, Didi. C'est gentil. C'est bon, ils ont fini les devoirs. Ils ont pas fini? Ils ont fini ou pas? Et maintenant, c'est plus Bigfoot qui est chiant, c'est lui, là. C'est Julien. Il a pas fini ses devoirs, le con. Bon. Et en plus, il est dégueu. Oh là là, les enfants. C'est parce que vous êtes aliène que vos besoins se dégradent aussi vite. Parce que franchement, c'est lourd. Non mais prends une douche par contre, parce que c'est pas toi qui paye l'eau, hein. Sale gosse, va. Et ensuite, tu vas faire tes putains de devoirs. Tu dois te barrer de la maison. Ah, super, vite. Oui, c'est vrai qu'il y a l'euro le soir. La finale. Je sais pas pour qui je suis. Mais j'ai quand même envie de le voir. Donc... Ok, c'est bon. Allez, il faut que tu augmentes, toi. Adopté en tant qu'enfant à charge, bah non. Oh putain, le truc est encore en panne. Hop. Autriche. On peut pas leur parler. Bon bah va pisser.
pouvais pas enlever la nourriture gâtée, c'est quoi ces conneries? Pépé, toi tu vas pas décoller de là avant d'avoir ton truc. Hein. Allez, voilà, c'est bon. Allez, bonne nuit maintenant. Voilà, bonne nuit, au revoir. Le bébé, il en est où? Accouchement dans. Ok. Pour l'Autriche. Yes. L'Autriche. Qu'est-ce qu'il a encore? Il veut aller aux toilettes, bavard, aux toilettes du con. Oh, réagir au premier changement de la puberté. Énorme. Bon, on s'en fout. Allez, qu'est-ce qu'il a? Il a des boutons? Ah ouais, il a des boutons. Ah bah t'es pas gâté, hein, mon petit Julien. De chiottes. L'Albanie. Je suis pour le 14. Mamie, elle a retenu que les numéros. C'est déjà bien, hein. Je sais plus si on peut faire travailler les enfants, enfin quand ils sont adultes. Enfin, techniquement, on est censé les dégager, mais. Il me semble qu'on a le droit. Hop. Pardon, Braise. Alors, Braise. Là, je suis désolée. Mais ça va pas être possible. Ah non, je peux pas te ban. Ah, et tiens, j'ai oublié de mettre le drapeau de la Normandie, d'ailleurs. Je voulais te ban, tu mériterais. Bien sûr que le 14, c'est le meilleur département. Avec le 29. Tous les autres, pardon, désolé, pas désolé, mais vous puez la merde. Voilà. Vous puez la merde. La grosse merde. Martin, il schlingue encore un max. Mais comme il est crasseux, il aime ça, si tu veux. T'es gentil, toi, tu vas plutôt faire le ménage. Hein. Crasseux. Quoi, le 22? Bah non, pas le 22, non. Le 29. Le Finistère et le Calvados. Déjà, estime-toi heureuse qu'il y ait un département de la Bretagne dans mon top. Dans mon top 2. Hein? Et ça sera certainement pas le 22, non. Puis quoi encore? Et pourquoi pas Quimper et le 35 pendant qu'on y est? Ah, ce qu'il faut pas entendre. Ceci. Pois, c'est dégoûtant. Ah bah oui, parce qu'il nettoie la baignoire. Et il est délicat. Mais pourquoi elle chiale? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qui se passe? Effondrement émotionnel. C'est à cause du baby? Lol. Énorme. Le baby. Elle est toute chamboulée, la pauvre.
C'est ton avis. Bah c'est oui, c'est mon avis et c'est le meilleur. Voilà. Et si t'es pas contente, sache que j'en ai rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Hop. Rien à foutre. Attends, ils vont peut-être grandir là. Oh oui. Oh oui, les jumeaux vont dégager. Les jumeaux vont dégager. Ça veut dire qu'on va avoir trop de gosses à la maison. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Ben, finis ton art, Josiane. T'as craqué. Bah non, j'ai pas craqué. Tout va bien. C'est ma chaîne. Donc à partir du moment où c'est ma chaîne et mon stream, mon avis, c'est le meilleur. C'est tout. Si t'es pas contente, tu fais ton stream, Braise, où tu diras que... c'est quoi déjà le 22? Je me rappelle même plus du département. Oh, c'est quoi? Je sais qu'il y a Saint-Brieuc dedans, mais je sais plus. C'est pas il est vilaine, mais j'ai peur de dire de la merde. Non, c'est pas ça. Putain, c'est quoi? Bon, on s'en fout que tu sois modo. Je peux t'enlever, hein, s'il y a que ça. Tu veux que je t'enlève? Oh. Je t'enlève de la modération. Côte Armor, c'est ça. Bah, on s'en branle. Voilà. Tu feras un stream, tu vas te faire ta chaîne et ton stream où tu diras que les Côtes d'Armor, c'est le meilleur département. En attendant, sur mon live, les meilleurs départements, c'est le Finistère et le Calvados. Par ailleurs, c'est soi-disant le meilleur département, les Côtes d'Armor, mais il me semble que tu n'y vis pas. Hein? C'est pas très crédible tout ça. N'est-ce pas? Honteux. C'est le meilleur département. Elle y fout les pieds 2 fois par mois. C'est bon quoi. C'était le meilleur département, t'y vivrais. Connasse. Bon bah voilà, tous les mecs sont... Qu'est-ce qu'on fait? On les dégage ou... Ou peut-être ils pourront nous aider pour les bébés. Hein. Bon bah maintenant on va les foutre tous en autonomie. Parce que ça me saoule de les gérer. Et puis on va attendre qu'elle ponde. Non mais par contre, enfin c'est sympa, mais il n'y a pas de quoi se taper le cul avec une babouche non plus. Hein. Le mieux, ça reste le Calvados. C'est au-dessus de tout. Et oui, c'est mon avis. Mais c'est le meilleur, donc. Je suis là, tranquille le canard, sur mon ordi, et la streameuse m'insulte. Oh, quelle connasse, celle-là. Mais casse-toi, si t'es pas contente. Elle commence à me courir sur le pompon, celle-là. Bientôt, elle va nous dire que la crème et les vires, elle est meilleure que la vraie crème. On est où, là? C'est pas possible, ça. Oh, je comprends pas ces gens, ils aiment pas, ils restent là. Casse-toi en fait. Va te coucher. On nous fera des vacances. Non mais oh. Le bébé, il en est où? Accouchement dedans? Oui, bah ce serait bien de le pondre au bout d'un moment. Oh mais je m'en fous, Julien. Oh, chiant.
Il aime les histoires, il aime le fromage, je m'en bats les couilles. Ah, ça y est la couche. Allez, hop, ça suffit. Va pondre. Bon alors. C'était qui déjà? Riton la fouine. Riton la fouine. Hop. J'espère au moins qu'il y en aura deux. La fouine. Pas la fouine d'ailleurs. Bon, il y en a au moins un. C'est une fille! Comment on l'appelle? Premier arrivé, premier servi. Hein, Bibou? Sauf Brest, parce qu'elle m'a trop cassé les couilles pendant ce live. Rita. Très bien. En plus, je m'en doutais qu'elle allait dire Martine. Et encore une fille! Quelqu'un d'autre que Brest? Francette Luce. Ça passe. Ça passe. Francette Luce. Francette Luce. Francette Luce. Je sais pas quoi dire. Francette Luce. Tu l'as sorti d'où celui-là, mamie? Vraiment, je... Francette. Est-ce que c'est un vrai prénom, au moins? On a donc des petites jumelles. Ah oui, c'est génial! De toute façon, c'est Rita et Francette Luce. Hein. Oh, punaise. Voilà. Allez, c'est reparti pour le bonheur. On verra au prochain live dans 2 semaines. Bref, si tu t'es calmé, tu pourras peut-être refaire partie des votes. Sinon, c'est mort. Voilà. Ah, ça, oui, c'est magnifique, mais j'aimerais vraiment savoir où tu l'as trouvé. C'est une vraie question, même. Où as-tu trouvé ce chef-d'œuvre? Si on peut appeler ça comme ça. Francette Luce, quoi. Bon, bah, en tout cas, on a bien avancé. Je vais mettre qu'on a 9 bébés. Puisqu'on a 9 bébés. Pourquoi ça ne veut pas? C'est bon, ça veut. Hop, 9 bébés. Je ne t'ai pas rattrapé, Kiki, mais je te rattraperai dans 2 semaines. Oh, t'auras fini le 100 bébé challenge d'ici là. Hein. Hop, on se met ici. Bah les gars, hormis Braise, parce qu'elle m'a saoulée. J'espère que ça vous a plu. Francette Luce. Vraiment, mamie, je veux savoir où t'as trouvé ce truc. Hein. Il faut que tu m'expliques. Ça t'est venu comme ça ou ça existe vraiment? Parce que c'est pas possible. Hein. Et sur ce, bah les gars, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. On se revoit demain pour le live, si ça vous intéresse. Et on se revoit aussi pour l'Eurovision sur mon Discord. Sur ce, bonne nuit. Bonne nuit, tout simplement. Bonne soirée. Des bisous, des cœurs, des paillettes, ça faisait longtemps, tiens. Et salut! Sauf Braise!